forme, il faut que je parle. Je ne suis pas en forme, il faut que je parle. J'ai écouté le discours de Blé-Boudé. J'ai eu mal. J'ai eu mal dans ma poitrine, wallahi. Aujourd'hui, Blé-Boudé, tu n'es pas encore venu. Bonne arrivée. Nous aussi, attaquer les gens de RHDP, nous aussi, on est là, on t'entend à chair et à l'os. Blé-Boudé, on t'attend. Quand j'ai écouté le discours de Blé-Boudé, j'ai eu mal. Comment j'ai fait mon vidéo sur Blé-Boudé, j'ai montré le vrai visage de Blé-Boudé à les Ivoiriens ici là. Il y a des gens qui disent non, il faut arrêter, on a une réconciliation, il faut lui laisser, il faut lui donner une dernière chance. Vous avez entendu les personnes de Blé-Boudé non? Hein? Vous dites qu'on a une réconciliation. Si c'est sûr que vraiment on a une réconciliation, est-ce que Blé-Boudé, il doit s'attaquer à la CEU de vous et moi? Si on a une réconciliation, c'est vraiment. Blé-Boudé, moi je vous ai dit, Blé-Boudé est en train de se promener pour parler de réconciliation. Je vous ai dit que c'est un film. Je vous ai dit qu'il n'y a pas rien dedans. Je vous ai dit que c'est un mensonge. Aujourd'hui, la CEU de 2010, que Ouattara a travaillé dessus, que Ouattara, ils ont travaillé dessus. La CEU de 2010, que non. Mon président, il a appris des gens qui sont tellement honnêtes. Les gens qui, de façon que les gens là travaillent, ils sont honnêtes dans leur travail là. Qui est dans ce là. Aujourd'hui, toi, Blé-Boudé, on dit on a réconciliation. Toi, tu veux faire croire à les Ivoiriens que la CEU là, que c'est pas bon. Que la CEU là, que c'est l'organe de quoi même là, je sais pas, par là, pour bien quoi là. Toi, tu dois, toi là, en temps normal là, si on a réconciliation. Bon, c'est un mécanicien, regardez, voilà, vous voyez non, voilà, c'est un mécanicien, hein, voilà, j'ai même pas envie de montrer son vieux visage là, mais vous voyez derrière lui non, voilà, il est en train de travailler, c'est un mécanicien, voilà, bon, chers parents, merci d'être là, j'ai mis le masque parce que je peux pas échanger avec un homme comme ça. Lui là, c'est pas sa place, sa place n'est pas dans le public. Voilà, sa place, on peut pas parler avec un homme comme ça là. Vraiment, c'est juste pour montrer un peu ce que le RDR est, que j'ai fait sortir le son de ses conneries là. Mais il paraît qu'il fait des vidéos, etc. pour dire que il faudrait pas que le RDR, c'est-à-dire il ne veut pas que Blé-Boudé rentre au RDR. Voilà, lui, il est contre Blé-Boudé. C'est un homme du RDR, mais il est contre Blé-Boudé. Il ne veut pas que Blé-Boudé rentre au RDR. Donc, il avait fait une vidéo pour dire que non, il ne voulait pas. Pourquoi est-ce que Dramane Ouattara, pourquoi c'est rentré sortir? Ses amis ont dit non, il a changé. Il ne va pas faire des choses pour nous attaquer. Donc, lorsque Charles Blé-Boudé, le crabe politique, le poltron politique actuellement, lorsqu'il a fait sa conférence de presse, que la question lui est posée, parce que de vous à moi, s'il dit, mais la CEU, il n'y a pas de problème. Les gens vont rire. Même dans la salle, les gens vont rire. Donc il y a des questions auxquelles il était obligé de répondre. De répondre, pas sincèrement, parce que Blé-Boudé n'est plus sincère. Mais je veux dire qu'il était obligé de répondre à ces questions-là. Et il y a des questions en Côte d'Ivoire dont les réponses sont connues. Si tu donnes une autre réponse, tu te feras simplement. Ça fera rire. Parce que Blé-Boudé veut montrer aux gens qu'il n'a pas changé. Voilà, il veut montrer aux gens qu'il n'a pas changé. Mais c'est ce qu'il fait qui nous laisse perplexe. C'est ça, non? Voilà. Donc connectez-vous, atteignons le nombre. Vous savez que je ne cherche pas assez, je cherche souvent 50 personnes pour bouger. Donc atteignons les 50 personnes et nous allons bouger. Chers parents, chers frères et sœurs, M. Charles Blé-Boudé a commencé sa sorcellerie politique. Vous allez voir que je vais aller même, on va laisser ce calama là. Voilà, lui là, c'est pas. Je vais aller voir sa page. Vous allez voir un peu ce qu'il a posté sur sa page, chers parents. Voilà. On va montrer les incongruités de M. Charles Blé-Boudé. C'est nous-mêmes, on te donne une vue. Parce que quand on s'appuie, on clique là. Ça augmente les vues. Voilà, donc Blé-Boudé ici, il a mis visite surprise des jeunes filles malinquées de Guibéroua chez Blé-Boudé. J'ai lu un peu. Bon, si elles sont trop, elles peuvent atteindre en tout cas 30 ou 40. Ce sont ces filles qui sont en bleu, Je ne sais pas si vous allez voir. Elles ont porté des t-shirts. Attends, je vais retourner pour vous. Comme vous avez atteint le nombre. Voilà, vous voyez, voici ces filles-là quelque part ici. Elles sont en t-shirt. Donc, voici la visite
je vais dire à Blaise Goudé, pendant que l'écran est là, je vais dire à Blaise Goudé, Monsieur Charles Blaise Goudé, d'abord, ça, ce n'est pas une visite surprise. Visite surprise où les gens, les filles, elles ont eu le temps de porter des pagnes, elles ont eu le temps de porter des t-shirts à ton effigie pour venir te voir. Tu appelles ça visite surprise. Ça, ce n'est pas surprise. Vous avez préparé et quelques 30, 40 jeunes filles se sont déplacées pour aller te voir. Tu vois? Maintenant, quand je regarde, j'ai lu les commentaires, il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que tu es obligé de mettre surprise des jeunes filles malinquées de Guy Béroy? Parce que voici la politique. Et tu, ça dit, toi, tu es en train de recommencer ce que les sérogames ont fait. Mais dans le très, très, très mauvais sens. Parce que les sérogames, ils ont fait la politique de clanisation en se basant sur les frères. Mais toi, tu fais la politique de clanisation en se basant sur les autres. Ça dit sur les autres ethnies, sur les autres pour narguer les autres. Mais ce que tu oublies, c'est que voilà, c'est que voilà, c'est, voilà, voilà. Attendez, ne quittez pas, je vais retourner. Voilà. Ce que tu oublies, c'est que de l'autre côté là, les gens ne t'aiment pas. Guillaume Soro là, ses frères Djoula là, l'ont aimé. Et il y a d'autres qui continuent de l'aimer. Le reste se trouve avec Draman Ouattara et le reste se trouve avec lui. C'est bouclé. Mais toi, tu veux te baser sur les jeunes Djoula pour faire une politique, pour dire que les autres sont mauvais. Mais les gens ne t'aiment pas. Regardez, je vais vous prouver ça tout à l'heure. Regardez la vidéo de ce gars-là. Regardez la vidéo de ce Guinéen-là. Un Guinéen, j'ai partagé ça sur ma page pour ne pas la perdre. Regardez la vidéo de ce Guinéen. Il y a un Guinéen. Voilà. Façon de Blaise Goudé, on met un an d'abord avant de parler même dans la politique ivoirienne. Toi-même, déjà, il y a un délit de 20 ans sur toi. C'est pas encore fini. Tu commences à envoyer des propos qui peuvent envoyer des zizanies. La CEU, là, si CEU était malhonnête, là, le fils de Babou, là, il n'allait jamais débuter à l'autre. Voilà. Alors, ce monsieur-là, c'est vrai. Ce n'est pas de sa faute, il n'est pas allé à l'école, il ne sait pas s'exprimer, mais il n'est pas intelligent. Et il ne sait même pas de quoi il parle, tu vois. Parce que tu as décrié et tu as dit que la CEU doit être changée, tu vois. Ça, c'est un partisan du RDN. Il s'appelle Haruna. Il s'appelle Haruna, et puis il a mis Ado. Haruna Ado dit que si la CEU était mauvaise, l'autre-là n'allait pas être député, monsieur, le fils de M. Babo, Laurent Michel Babo. Donc, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est que la CEI. Il dit pourquoi toi tu as dit que la CEI doit changer, que la CEI est propre, que c'est la CEI qui vote les députés et les maires. Donc il ne sait même pas qu'est-ce. Il ne connaît même pas la définition même du mot CEI. Si je l'appelle tout à l'heure, si j'avais son numéro, que je l'appelle, et je lui dis mais CEI, là, ça veut dire quoi? Il ne peut pas savoir, il ne peut pas connaître. Il ne connaît pas la définition même du mot CEI. Lui, c'est lui, CEI, là, c'est CEI qui donne les gens, c'est-à-dire qui nomme les présidents, c'est CEI qui décide qui doit être maire, qui doit être président. Mais je ne peux pas débattre avec lui sur ce sujet parce que lui-même, quand tu lis même les commentaires de ses propres frères, il y a d'autres même qui ont dit, mon frère, tu fais la honte même du RDR. Il y a plein de ses amis Djoula, ses frères Djoula qui sont venus commenter en bas de sa vidéo là. On dit, mais tu sais même pas de quoi tu parles. Toi-même, tu es mélangé. Nous-mêmes, on est du RDR, mais ce que tu fais là, ça fait honte. Il y a un même qui a dit, mais toi, tu n'es pas notre frère, hein? Toi, tu es un Guinéen. Je te connais très bien. Haruna, toi, tu es un Guinéen, va en Guinée. Faut nous laisser tranquille, il y a un autre ado. Ado, là, ce n'est pas pour vous. Va en Guinée, tu vas parler de Camara. Camara d'Addis. Donc, j'ai lu les commentaires, j'ai commencé à rire. Donc, je ne peux pas débattre avec ce monsieur-là, mais j'ai partagé la vidéo pour te dire que les gens du RDL, là, beaucoup ne le t'aiment pas. Hein? Parce que tu veux faire une politique en te basant sur les Djoula, les malinqués, pour penser à avoir leurs partisans. Mais eux, ils sont pas comme les BT. Hein? Non. Il ne faut pas te tromper. Mais tu te trompes de la lecture politique. Tu as vraiment duré dans le pays des Blancs. Les gens, ils ne sont pas comme les BT. Hein? Les 1-1 qu'on trahit, ils ne sont pas nombreux. Hein? C'est l'amiral blindé, Soro Guillaume, le rebelle générationnel, le RG, qui encore, Afousiatou Bamba. C'est les quelques Bamba. Et puis, eux, ils ont trahi pour aller où? Pas pour venir dans l'opposition. Je veux dire l'opposition, ça dit chez Bambo. Mais non, ils ont trahi pour aller chez le des fils de Draman en politique. Donc ils n'ont pas en réalité, ils ont trahi Draman, mais ils n'ont pas trahi le Nord, ils n'ont pas trahi la rébellion, ils n'ont pas trahi le fait qu'ils ont tué les gens. Ils ont simplement trahi Draman, mais pour être derrière le chef rebelle. Donc quand tu partages une vidéo et puis tu dis visite surprise des jeunes malinqués, visite surprise des jeunes malinqués de Guy Béroy chez Blaise Goudé. Et puis tu partages sur ta chaîne, les gens vont comprendre la lecture, ce que tu fais là, tu es en train de revenir dans les vieux démons. Il ne faut pas faire une politique pour dire, même sur cette chaîne, mais il y a des Djoula qui commentent mes vidéos.
Quand je suis en direct, il y a des doulas même qui commentent en direct, d'autres commentent après mes directs. Quand nous on dit ici qu'il faut que les gens... Mais quand tu regardes au PPACM, mais il y a des doulas. Connais Katina à qui tu as répondu et puis tu as partagé ta soi-disant vidéo là. Mais c'est une doula. Quand on dit doula, ça veut dire que, en tout cas, c'est un musulman, mais c'est un homme du Nord par rapport à son nom. Mais ils sont remplis dans tous les partis politiques. Donc, s'il y a des filles, parce que dans chaque village ou dans chaque ville, mais il y a le Djoulabougou. Djoulabougou, c'est des quartiers où sont concentrés tous les Djoulas, parce que c'est les gens, ils n'aiment pas trop se mélanger. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça ils sont. Même à Paris, il y a Djoulabougou. À Paris, là, il y a Djoulabougou. Ils aiment vivre ensemble. Comme ça, quand c'est gâté, ils savent s'organiser. Quand ça chauffe, ils ont leur communauté, on ne peut pas trop les pénétrer comme ça. C'est pourquoi ils ont des Djoulabougou. Regardez la crise. Mais c'est comme ça ils ont fait pour bombarder même, pour fatiguer le camp à Dagban. Parce que juste à côté, il y a un Djoulabougou. Donc quand les rebelles viennent tirer, ils tirent sur le camp et que les autres veulent répliquer, les rebelles courent pour rentrer dans Djoulabougou. Et l'armée ne peut plus, la gendarmerie ne peut plus tirer dans le tas parce qu'ils sont mélangés. On ne sait pas qui est rebelle, on ne sait pas qui est civil. Et tu ne peux pas tirer sur la population comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fatigué jusqu'à pour prendre Angba. Je veux dire à Blé Goudé, non, au fait, moi maintenant, à chaque fois que je veux parler à M. Blé Goudé, c'est juste des conseils et des orientations. Parce que je sais que tu as trahi, mais il faut faire attention. Même en bas de cette même vidéo, si vous voulez, vous pouvez monter les commentaires. Il y a plein de personnes qui ont dit faut faire attention, faut faire attention, faut faire attention, faut faire attention. Il y a d'autres qui ont dit Seigneur, faut protéger ton fils. Blé, faut faire attention, un peu de sagesse. Parce que tu vas te faire violer facilement. Tu ne portes même pas masque. Tu ne portes même pas masque. Même aussi aux États-Unis, là, même les gens ont commencé à dire qu'on n'a pas porté masque pour aller à l'école. Quand vous avez vu ici comme ça, c'est parce que je viens d'arriver de l'autre côté, pas à l'école, mais je viens d'arriver d'un supermarché. Quand tu sors maintenant, tu mets le masque. Parce que le masque commence à revenir. Toi, tu penses que quoi même? Toi, tu penses que les gens ont oublié tout ça là? Attends, je vais te montrer quelque chose, Blégoudé. Ne quittez pas. Mais est-ce que tu connais même le RDM même? C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu connais le RDR? Est-ce que tu connais nos frères du Nord là? Oh, toi tu connais pas nos frères du Nord. Regarde Haruna. Un monsieur qui a quitté en Guinée lointain, qui est venu chez nous, il est devenu mécanicien. Regarde comment il parle sur toi. Regarde, il ne sait même pas parler. Il ne sait même pas ce que c'est que la politique. Jusqu'à même ses propres frères du RDR disent, mais arrête ça, tu es en train de nous ennuyer. Tu n'es pas un politicien, tu connais même pas la politique, tu connais même pas la CEI, et puis tu mélanges tout. Non, quand c'est la réconciliation, on ne doit pas attaquer quelque chose. Parce que quand on attaque, ça envoie des problèmes. Donc on ne doit pas attaquer, il ne faut pas il va faire ça. Soit il est avec nous, soit il n'est pas avec nous. Mais Blégoudé n'a pas encore dit qu'il est avec vous. C'est nous qui l'attaquons parce que sa démarche, elle est tordue. Sinon, lui-même, il a toujours dit qu'il est du COGEP. Il dit qu'il n'est pas au PPACI. Il dit qu'il n'a pas fait deal avec vous. Mais voilà le monsieur qui dit, et c'est la preuve que Blégoudé a trahi. Parce que dans les carcères et de bouche à oreille, on leur a dit que non, lui, il est avec nous, donc ne l'attaquez pas. Ne faites pas vidéo contre lui, ne l'attaquez pas physiquement, n'attaquez pas ses affiches, ni ne commentez pas en mal sur ses vidéos. Mais maintenant qu'il a parlé de ce I-là, un Haruna qui est bête, qui ne veut pas suivre donc les ordres de son parti, a commencé à clasher, a commencé à faire des vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Blégoudé. Non, je vais dire à Blégoudé, faut pas oublier. Attends, viens mettre un peu encore. Écoutez. Je ne suis pas en forme, mais il faut que je parle. J'ai écouté le discours de Blégoudé. J'ai eu mal dans ma poitrine, wallahi. Aujourd'hui, Blégoudé, tu n'es pas encore venu. Bonne arrivée. Nous aussi, en tant que les jeunes de RHDP, nous aussi, on est là, on t'entend en chair et en os. Blégoudé, on t'attend. Quand j'ai écouté le discours de Blégoudé, j'ai eu mal. Comment j'ai fait mon vidéo sur Blégoudé? J'ai montré 20 visages de Blégoudé à les Ivoiriens ici là. Il y a des gens qui disent non, il faut arrêter, on a réconciliation, il faut lui laisser, il faut lui donner une dernière chance. Vous avez entendu les déclarations de Blégoudé, non? Hein? Vous dites qu'on a réconciliation. Si c'est sûr que vraiment on a réconciliation, est-ce que Blégoudé, il doit s'attaquer à la CEU de vous et moi? Si on a réconciliation, il dit CEU. Moi je vous ai dit, et puis il avait beaucoup de vues, hein. Il a 1000 pouces bleus, 1200 pouces bleus. On ne voit même pas le nombre de vues, mais il a 1200 pouces bleus sous sa vidéo qu'il a faite hier.
etc., etc. Non, tu vois comment il parle? Il s'appelle Haruna. Haruna Ado, quelque chose. Il a mis Ado comme Alassane Drama Ouattara, mais son nom c'est Haruna. C'est un Guinéen, selon les commentaires que j'ai lus. Donc, les goudés, c'est pour ça que je dis que tu ne connais pas le RDR. Tu ne connais pas le RDR. Lui-même, il a dit, mais il y a 20 ans qui est là. Lui-même, c'est là les gens ont dit, mais il faut te calmer, c'est pas à toi de rappeler les choses. Tu n'as pas de gâter notre mangement. Donc, il faut te calmer. Puis toi-même, là, il y a un mec qui a commenté pour dire, mais toi, Haruna, là, je te connais. Tu es un Guinéen. Depuis quand tu laisses la réparation, mécanique, ça dit, il fait mécanique, c'est un mécanicien. Là, il était au travail. Tu laisses mécanicien et puis tu pars dans notre pays. Ah, vous voyez que ça fait mal. Vous, le Djoul, là. Vous, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, là. Tu vois, Haruna vous a précédé. Il commence déjà à parler. Attends, il n'est même pas ivoirien. Il commence déjà à vous précéder. Il parle de 20 ans, comme si c'est lui qui est devenu Adou Richard, ou bien comme si les magistrats, il parle de temps. Blegoudé ne doit pas parler de la CEU, d'après lui. CEU. On dit C-E-C-E-C-E-I. C'est ça, non? Vous voyez qu'on fait dans CIE. Non, on dit CEI. Commission électorale indépendante. Donc, dites à Haruna, le Guinéen, que c'est C-E-C-E-I. C'est pas C-E-U. Chers parents. Donc, Bleu Goudé, il faut faire attention. Mais attendez, je voulais montrer quelque chose à Bleu Goudé, là. S'il vous plaît. Si vous me donnez un peu de temps, je vais montrer. Donnez-moi juste un instant, juste un petit instant, s'il vous plaît. Je vais montrer quelque chose là. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Ça ne va pas tarder. My name is Priscilla. My name is Evelyn. Ça ne va pas tarder. Parce que des gens assoiffés de sang, pillent, butent, égorgent. Notre ami dit qu'elle ratisse. Notre ami dit qu'elle combat. Et elle combat très bien. Et elle a des ratissures. Nous encourageons cette amie. Nous félicitons cette amie. Qui est sur plusieurs fronts. Et qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Chers amis patriotes, continuons de résister. Pour ceux qui sont à Cocody et qui sont dans des zones sécurisées, il faut rejoindre ceux qui sont déjà amassés devant le chef de l'État. Quant à moi, je suis avec vous. Je suis là et je voudrais demander à Dieu de nous utiliser comme il peut, de nous donner les mots nécessaires, de nous donner la sagesse nécessaire pour que ce combat-là, on puisse le conclure. Car ce combat-là mérite d'être conclu. Les Ivoiriens ne méritent pas ce sort-là. Ils méritent mieux que ça. Ce peuple qui est resté debout pendant plus de 9 ans ne mérite pas. Ne mérite pas du tout ce sort. C'est pourquoi nous demandons à la France d'avoir une position nette. La France est-elle en guerre contre la Côte d'Ivoire? La France est-elle en guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire? Que cela soit clair. Sinon, l'armée de Côte d'Ivoire a les moyens pour venir à bout de ces rebelles qui, depuis quelques jours, sont en train d'Abidjan et n'arrivent même pas à avancer dans ce jour-là. Camarades, roule le cœur, restez à l'écoute. Surtout, restez à l'écoute. Préparez-vous et préparez-vous. Et l'armée continue de l'attisser. D'un moment à l'autre, je m'adresserai à vous. Félicitations à vos camarades. Félicitations à tous les leaders. Le combat continue. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bleu Goudé, le RDR, qui était donc en train de tuer, piller, éventrer, égorger, pour prendre le pouvoir à leur tête, M. Soro Gbagbafori Guillaume, avec tous ces rebelles, la plupart sont encore vivants. Et les gens n'ont pas encore oublié le combat que tu... Regarde comment tu parlais ici. Camarade patriote. Mais aujourd'hui, tu n'es plus capable de le dire. Donc, tu vas perdre des deux côtés. Moi, voici le conseil que je vais donner à Bleu Goudé, pardonner. Les gars, vous êtes 200, je vois 200 en ligne. Nous sommes à 20 minutes, 10 secondes. Vous êtes 200. On n'a même pas 50 likes. On n'a même pas 30 likes, je vois 28 likes. Mais vous êtes 207 personnes à 20 minutes. S'il vous plaît, soutenez-moi, les gars. Je vais remercier un monsieur qui a donné $1 sous ma vidéo d'hier.
Si je vais chercher son nom, ça va me prendre trop le temps. Mais il y a un monsieur qui a donné un dollar. On m'a envoyé la notification. Que Dieu bénisse tes un dollar. Merci pour ton soutien pour la chaîne. Merci pour tes un dollar. Si je n'ai rien, j'ai 10 centimes dedans. Parce que YouTube prend à peu près 55% ou bien 60% de ce que les gens donnent. Pour ceux qui donnent. C'est la deuxième personne depuis que j'ai créé la chaîne. Il y avait un jour, il y avait deux personnes qui avaient donné 30 dollars les deux. Et lui, il a donné 1 dollar. Merci beaucoup pour le soutien. À vous autres, mettez le pouce bleu. Si nous sommes plus de 200 en 20 minutes, c'est qu'on doit au moins avoir la moitié. Je ne demande pas 200 pouces bleus, mais au moins la moitié. Mais là, nous sommes à 45 maintenant. Avec 217 personnes, ce n'est pas trop cohérent pour un tel combat, parce que je mets aussi ma vie en danger. Mais ça, soyez-en sûr, je ne vais pas arrêter. Donc, concernant Blé Goudé, je vais juste lui donner... c'est un frère. Ça, parce qu'il est pété. Mais c'est un frère, c'est un ancien frère d'âme. Moi, c'est Herman le patriote. Vous allez me connaître en Côte d'Ivoire. Vous allez vous serez surpris de la manière que nous avons fait politique en Côte d'Ivoire. Et je vais évoluer avec Herman le patriote. Je m'en fous des shérifs de la vérité que les gens m'ont donné. On va évoluer avec Herman le patriote. Le patriotisme doit naître, renaître en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de patriotes. Vous avez vu lorsque les gens enrôlaient les Burkinabés? Il y a des gens qui étaient fâchés, qui étaient énervés, qui demandaient même les villages de ceux qui venaient s'enrôler. Ce sont tous les patriotes. Et ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent pas parler, malheureusement. Ils ne peuvent pas parler parce que Adou Richa est là. Ils ne peuvent pas parler parce qu'Alassane Ouattara, il n'agit que par la soumission ou la prison. Si tu n'es pas soumis à lui, que tu veux être indépendant au niveau du speech, il va te mettre en prison. C'est ça la triste réalité. Donc nous qui sommes cachés ici, là, on parlera pour vous, chers parents. Juste mettez des pouces bleus, j'envoie maintenant 59. Mettez des pouces bleus, nous sommes 222 personnes. On va avancer, s'il vous plaît. On va avancer, s'il vous plaît. Je vais dire à Blé Goudé, ça, les gens ne l'ont pas oublié. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini, Blé Goudé. Je vais montrer une vidéo à M. Blé Goudé. Une vidéo à M. Blé Goudé, il y a 12 ans de cela. Je pense que je suis choqué, du coup, je vois d'ailleurs, et j'ai l'impression de revivre un Nuremberg beat, parce que c'est la justice des vainqueurs. Vous rappelez-vous, après la guerre, l'Allemagne a été jugée sur son propre sol, condamnée, et je souhaite et j'espère que la Cour pénale internationale n'est pas en train de se faire complice d'une justice des vainqueurs, une justice à deux vitesses. Sinon, les bourreaux de la Côte d'Ivoire sont au pouvoir, ils sont reçus dans tous les palais, et l'homme de la paix qui en ce moment est transféré à la haine. Je demande aux Africains de noter cette autre date de l'histoire de l'Afrique. Jean-Bé Goudé. Alors, pour Alassane Ouattara, le fait de transférer Laurent Gbagbo à la haie est un gage de justice indépendante. Hein. Donc c'est ce qu'il dit, qu'est-ce que vous répondez? Peut-on parler de justice? Dans un pays où les journalistes sont en prison, peut-on parler de justice dans un pays où tous les pro-Gbagbo sont traqués, leurs comptes bloqués, et dans un pays où il n'y a pas de police, dans un pays où c'est la Kalachnikov qui fait la loi, peut-on parler de justice quand M. Alassane Ouattara lui-même perd la rébellion, n'est pas inquiété? Peut-on parler de justice là où M. Ouattara est entré? Voilà. Peut-on parler de justice quand M. Alassane Ouattara lui-même père de la rébellion n'est pas inquiété et gouverne le pays? Mais c'est le même qui est là. C'est le même qui est là. Mais quand ce M. Alassane Ouattara, ce M. Alassane... Oh, mon deuxième... Donnez-moi un instant. Mon téléphone avec lequel j'ai téléchargé mon truc là. Donnez-moi un instant. Écoutez, Blé Goudé, j'arrive. Voilà. Dans un pays où tous ceux qui peuvent parler doivent dire que M. Ouattara est bon. Blé Goudé, je vais te montrer une vidéo ici, s'il te plaît. Blé Goudé. Je vais te montrer une vidéo. En dehors, tu ne sais pas à qui tu as affaire au RDR. Tu ne sais pas à qui tu as affaire au RDR. Tu as peut-être oublié.
Bleu Goudé, je vais montrer une vidéo. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. La vidéo fait plus d'une heure, plus d'une heure. C'est tout le film, et je vais mettre ça en direct sur les Côte d'Ivoirien. Alors, abonnez-vous à les Côte d'Ivoirien. Je vais mettre l'intégralité du début jusqu'à la fin. Le film complet, quelqu'un m'a envoyé le lien. Cette chaîne YouTube a 3 abonnés seulement. Donc, c'est quelqu'un qui a posté la vidéo sur YouTube, mais... Si tu tapes, tu vas voir les bouts de films. Mais ce lien-là, avec ce lien, tu as tous les films complets de l'arrestation de Gbagbo Laurent. Mais je suis tombé sur une mauvaise partie, là, j'ai pioché. Et c'est pourquoi on monte là où c'était le début. Mais lorsque tout le monde va rentrer à l'hôtel du golf, Blé Goudé, tu ne peux même pas t'imaginer la joie de nos frères du Nord lorsque M. Gbagbo Laurent a été arrêté. Comment les gens étaient en joie. Mais ce que les gens disaient, parce qu'ils ont interviewé des mamans, ils ont interviewé des jeunes, ils ont interviewé des gens. Les blancs sont en train de les filmer et ils sont en train de dénigrer leurs propres frères noirs au détriment des blancs qui les filment. Ce RDA-là n'a pas changé. C'est le même RDA qui est là. Hein? Ils n'ont pas changé. Alors quelqu'un me demande si c'était toi-même, que si c'était toi-même, tu étais à la part de Blé Goudé et puis tu es rentré en Côte d'Ivoire. Quelqu'un a fait le commentaire qui est là. Quelqu'un a fait le commentaire, la personne s'appelle... Bon, ça c'est pas un nom, c'est pas un nom de quelqu'un, ils ont des faux profils. Quelqu'un qui est... Et puis d'abord, mais je ne réponds pas à quelqu'un qui a un faux profil, voilà. Le jour que tu vas mettre un prénom, on va prendre le prénom pour t'appeler, ça c'est un faux profil, voilà. Mais nous, on a toujours dit à Blé Goudé, il ne fallait pas rentrer. Voilà, quand tu vois que tu n'es pas prêt à te compromettre, tu n'es pas prêt à être baïonné, tu n'es pas prêt à répondre à leurs revendications... Soit tu ne rentres pas, soit tu rentres et puis tu prends les conséquences. C'est comme ça la politique. Le président Laurent Gbagbo, les gens n'ont pas voulu qu'il rentre. Hein. C'était la preuve. Vous avez vu donc le gars des victimes. Là. Il y a un gars, on ne sait même pas ce qu'il est devenu.
Il est devenu l'homme de lui-même. Comment il s'appelle même? Il y a un gars là. Comment il s'appelle même? Il y a un gars là qui se jouait les tours des victimes là, de la crise là. Côté RDL là. Et puis il a un visage vraiment remarquablement chiffonné là. Il a dit que c'est Gbagbo rentrait le 17 juin, ils allaient venir l'attraper à l'aéroport. Voilà. Il a dit, c'est parce que les Dramas Ouattara ont analysé la chose et ils ont vu que si on l'attrape, ça peut créer d'autres choses que peut-être ils ne vont pas pouvoir gérer. Ils ne vont pas pouvoir contenir. Donc c'est là qu'ils ont dit à ce monsieur-là, non, il ne faut pas faire ça. Laissez le monsieur rentrer. Ce que sur l'épée est là, l'épée de Damoclès, ce que sur envoie, ce que ça va donner. Et puis Gbagbo Loura, ce n'est pas un va-t-en-guerre, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire nous rébellion pour nous attaquer. Le connaissant, il va vouloir faire. Voilà, merci beaucoup. Issaka Diaby. C'est la preuve que Gbagbo Loura est rentré malgré que les gens ne voulaient pas qu'il rentre. Donc c'est la même chose qu'on demande à Blé Goudé. Si les gens te font, et quand. Si les gens te font des chantages, est-ce que tu es obligé de rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu étais obligé de rentrer en Côte d'Ivoire? Tu n'étais pas obligé de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà le vrai problème, Charles Blé Goudé. Maintenant, tu es obligé de faire une politique clanique, une politique où tu vas citer les ethnies. Tu es le seul politicien actuellement, y compris même les Dramas sont déjà au pouvoir. Donc, c'est leur frère qui mange. Quand les concours sortent, s'il y a trop pour les autres ethnies, c'est 10%. Ça doit en prendre quelques Atiers, quelques Agnis, quelques Baoulés, quelques BT, quelques Dida. Pour les 10% et les 90%, ce sont les Djoulas qui prennent le concours. Ça, sous mes yeux, on a vu ça. Je n'ai pas dit que. Même depuis que j'ai passé les concours, quand on va voir les résultats de l'ENA, c'est ça, non, parce que moi j'ai passé l'ENA, il voulait devenir professeur de maths. Donc quand on a fait l'ENA, mais tous ceux qui sont sortis, il y avait à peu près 50 Baoulés, je crois, et tout le reste était des Djoulas. Mais ça était au début, hein, c'était vers les 2016, vers les 2000. Moi, j'ai commencé à passer les concours à partir de 2015-2016. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Quand les concours sortent, c'est eux qui dominent. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire à Blé Goudé, à part Dramane Ouattara, eux, ils sont au pouvoir. Tu es le seul politicien qui fait la politique d'ethnie en Côte d'Ivoire. Tu ne l'as pas remarqué? Vous l'avez vu lorsqu'il a fait l'alliance avec. Vous êtes on s'en a 300 et il n'y a même pas encore 100 likes. Hé, les gars. Hein? On s'en a 300. C'est ça, non? Nous tendons vers 300 personnes. Nous sommes à 33 minutes. Mais il n'y a même pas 100 likes. Hein? Je vois maintenant 78 likes. Hein? Mettez les likes, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Et vous qui allez regarder en rediffusion, augmentez les likes. Likez la vidéo. Puisque ça va nous aider à pouvoir protéger la vidéo. Et même si les gens signalent la chaîne, quand YouTube va voir le nombre de personnes en direct et le nombre de likes, YouTube va comprendre que nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas dans le mauvais côté de l'histoire, n'est-ce pas? Donc, likez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, nous sommes à 90 likes. Ça, c'est bon. Voilà, nous sommes à 90 likes, nous sommes à 279 et 90 likes. Ça, vraiment, c'est un peu bon. Augmentez les likes. Chers parents, je veux dire à Blé Goudé, tu ne connais pas le visage du RDR. Je vais t'exhorter de quitter totalement au RD. Parce que toi, ton problème, c'est que tu ne veux pas laisser ton cogep, mais tu ne veux pas laisser ton cogep pour rentrer dans un parti politique. Voilà toi ton vrai problème. Oh, tu n'as pas encore les capacités d'être un grand. Tu ne peux pas être un grand parti politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Si. Lorsque Afi Nguessa a pris le FPI, si à ce même moment-là, Gbagbo mourait, là, le FPI, ou bien l'idéologie de Gbagbo Loura était entre les mains d'Afi Nguessa. Donc, ça allait faire que, peut-être que ça allait tuer un peu la vision, mais ça allait tuer un peu l'image de Gbagbo Loura en politique, s'il mourait dans ce laps de temps. Mais actuellement, le PPS est là. Même si demain, Gbagbo Loura s'en va. Si demain, Gbagbo est parti là, tout le monde sera derrière Damana Picasso. Tout le monde sera derrière lui que le PPS va choisir comme président. Tout le monde sera là-bas. Hein? Voilà, parce que toi, tu peux pas peser devant Alassane Dramane Ouattara. Tu le sais très bien. Non seulement, je vais dire, en nombre de militants, malheureusement, puisque toute la CEDEAO est avec lui. C'est ça qui est malheureux. Toute la CEDEAO, quand on dit CEDEAO, c'est les Guinéens, comme lui qu'on a écouté tout à l'heure, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, etc. Eux, ils sont d'office avec Dramane Ouattara. Parce qu'il s'appelle Draman, et puis il dit qu'il est musulman, et puis il dit qu'il est du Nord. Donc automatiquement, eux tous, ils sont avec lui. Regardez, j'ai vu une vidéo en Afrique du Sud.
J'ai vu une vidéo en Afrique du Sud où il y a un monsieur qui est en train de faire un combat panafricain concernant les terres. Il y a les Blancs ont acheté des terres, des milliers d'hectares de terres en Afrique du Sud et ça leur appartient pour toujours. Le monsieur est sorti, on dit ça fait 3 ans maintenant qu'il est en train de faire la politique. Il est maintenant le numéro 3 en Afrique du Sud en termes de popularité et de volume de partisans. J'ai oublié de partager la vidéo. Si j'allais partager la vidéo pour vous la montrer, attends, on dirait peut-être qu'il a partagé la vidéo. Et c'est ça qui arrivera en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec la vidéo que j'ai faite, mais ça m'est venu à l'esprit et je voulais quand même partager cela avec vous. Je ne sais pas si j'ai partagé. Attends, peut-être que j'ai partagé. Et, oui, voilà ça ici. Suivez très bien. Une référence aux tenues de travail des ouvriers. Julius Malema, un leader charismatique qui électrise les foules. Maintenant, je vais vous montrer la fin parce que les Blancs, quand ils font les documentaires, ils font ça pour eux-mêmes. Voilà. Comment ça, pourquoi ? Désolé, hein. Mon truc là, quand il a cassé ça, c'est trop cher. C'est trop cher, hein, il faut gérer ça. Voilà, écoutez très bien ici maintenant, s'il vous plaît. En ce moment, cette terre est occupée. Peu importe que je sois poursuivi ou non, l'occupation est toujours d'actualité. Cette fois encore, l'affaire est ajournée. Le leader est si populaire qu'aucun juge ne semble oser le condamner. En ce moment, cette terre est occupée. Peu importe que je sois poursuivi ou non, l'occupation est toujours d'actualité. Pourquoi dites-vous que le peuple doit reprendre la terre ? Parce qu'elle leur appartient. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Parce qu'elle leur appartient. Je suis désolé, je ne suis pas d'ici. C'est bien ce que je vous dis. Ma réponse est claire. Les gens prennent la terre parce que c'est leur terre. Julius Malema considère que les Blancs n'ont aucune légitimité à posséder des terres. Merci. Il engage ses militants. Donc vous voyez ? Donc il a mené ce combat-là et c'est ce combat-là qu'on va mener bientôt. Moi, je ne suis pas là pour le combat de Blé Goudé. Nous, c'est CIE et CIECI. Voilà. Les gens, on lui demande, mais pourquoi tu veux prendre les... Tu veux que les Blancs là vous donnent les terres ? Il dit, mais parce que c'est pour nos parents. Il dit, mais pourquoi ? Les terres là, c'est pour nos parents, c'est pas pour les Blancs. Et ils sont quittés là-bas pour nous trouver en Afrique du Sud. Et on constate qu'ils ont pris toutes nos terres. Et nous n'avons plus rien. Donc le combat, c'est de reprendre nos terres. Et ce qui fait qu'aucun juge, on ne peut pas le condamner même. Tellement il est devenu populaire. Si tu le prends, il aura des problèmes, peut-être même la guerre civile. Donc les gens l'envoient et puis on dit, bon, on reporte ça l'année prochaine. Et jusqu'à présent, on ne peut pas le condamner. Il est poursuivi, mais on ne peut pas le condamner. On ne peut pas le juger. On ne peut pas prononcer une sentence. Vous comprenez, non? Et vous allez voir que d'ici quelques années, il va avoir gain de cause. Donc, cher Blé Goudé, je vais laisser ce discours-là. Un autre jour, on va bien parler de cela. Parce que, cher frère, tous les Burkinabés qui ont nos terres, là, le jour que le 6 deviendra 9, sachez qu'on va reprendre nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui avez acheté nos terres, là, ça sera tellement simple. Si tu veux, tu prends la terre, là, c'est pour toi, non? Il faut déterrer la terre là. Tu prends, tu mets dans l'avion et puis tu vas dans ton pays d'origine avec ça. Voilà, ça c'est clair. Parce que quand on va faire la technique de mille boga doudou et qu'on va commencer à enrôler les gens dans les villages, que tu ne nous demandes pas le village de ton père et de ta mère en Côte d'Ivoire, c'est que tu es un étranger. Si tu es un étranger, l'étranger n'a pas le droit de posséder des terres à vie. Voilà. Tu n'as pas le droit de posséder des terres à vie. Tu peux avoir une terre cultivée dessus et puis... par contrat ou mais tout ça on va annuler. Donc ça c'est un autre combat, mais pour l'instant on n'est pas encore bien mûr là-dessus. On attend de bien mûrir ça. Et lorsque, parce qu'actuellement on ne peut pas faire ce genre de combat, Drama est là. Lorsque Drama va tomber, on va refaire ce genre de combat là. Parce que nos terres, les gens ont pris nos terres, chers parents. Et c'est à vie. C'est à vie. Comment on peut acheter 10 hectares à 2 millions et puis à vie? C'est pas normal. 2 millions de francs CFA. C'est-à-dire 2 000 $ ou bien 4 000 $ qui est salaire de quelqu'un par mois ici. Il y a des gens qui font 4 000, 5 000, 6 000 $ par mois. Et puis on peut donner 2 hectares, 4 hectares, 10 hectares. Et puis ils ont ça à vie. Et puis
ils ont ça. Mais quand il y a les guerres, c'est eux qui soutiennent nos ennemis pour nous tuer. Donc vous nous arrachez nos terres et vous nous arrachez nos âmes et notre vie. Vous nous tuez. Non, ça va plus recommencer en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous pouvez faire actuellement là, c'est d'endetter le pays. Voilà, on est presque à 23 000 milliards, on était à 21 000 milliards. On a déjà dépassé les 22 500 milliards. On est presque à 23 000 milliards, endettés seulement. Endettez le pays, remplissez-vous les poches. Mais tôt ou tard, Draman tombera. Et c'est le jour que Draman sera tombé, quelle que soit la personne qui sera président. Si la personne, si le président ou la personne qui sera présidente là, si cette personne est un fils du pays, vous êtes mort. C'est tout. Et ça, il faut le comprendre. Donc, Blégouné, toi, tu veux te mettre dans une politique où tu vas défendre les gens du RDR. Ou bien une politique où tu vas te mettre derrière les djoulas, derrière les malinqués. Mais eux-mêmes, là, ils ne veulent pas faire leur combat. Leur combat, c'est de faire la différence entre un Haruna. Haruna, là, ce n'est pas d'Ivoirien. Haruna, ce n'est pas Ivoirien, c'est un Guinéen. Haruna, on les connaît. Les Haruna, les Moshi. C'est Moshi. Haruna, on dit c'est Burkina Faso, Guinéen. Mais dans les commentaires, les gens disent qu'il est Guinéen. Mais sur son Facebook, il a mis Haruna Ado. Mais Haruna, là, c'est pas quoi, c'est pas Ivoirien. Aidez-moi dans les commentaires. Moi, j'ai connu des Gabatiki qui s'appellent Haruna. Il y a des parfums qu'on appelle Haruna. Mais ce sont des gens, ce ne sont pas des Ivoiriens, je ne pense pas. Mais regardez, c'est lui qui t'insulte aujourd'hui. Parce que tu as attaqué le RDL, le RHDP. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que les choses changent. C'est pourquoi nous disons, c'est-à-dire tu fais une mauvaise politique et elle va te coûter très cher. Voilà, c'est Nigeria. Je pense très bien. C'est un Nigeria. Parce que le Haruna, là, ça me dit quelque chose. Il y a Mme Emma qui dit que ça doit être le Nigeria. Hein? Quelqu'un dit, la dette n'est pas reconnue. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. La dette n'est pas reconnue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si ceux-là, ils s'en vont là, toute la dette qui est sur nous là, c'est nous, on va payer. Hein? C'est vos petits-enfants qui vont payer. Voilà. Ah oui, tout l'argent qu'ils sont en train de prendre là, pour s'enrichir là, ça va rester sur le pauvre peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un Nigeria. C'est ça, non? En tout cas, c'est Niger. Voilà, je pense bien. C'est Niger. C'est Niger. Donc, voilà, Blé Goudé, je vais remettre encore. Et puis, je vais vous lire les quelques commentaires des gens, s'il vous plaît. Voilà sa toute dernière vidéo. Voilà, il dit, visite surprise des jeunes filles malinquées de Guibéroua chez Blé Goudé, Charles. Chez Charles Blé Goudé. C'est ce qu'il a mis. Visite surprise. Moi, je dis que même les gens l'ont dit en commentaire. Voilà. Les gens l'ont dit en commentaire. Alors, quelqu'un dit, où est l'utilité de créer une association de jeunes filles malinquées dans un village bété? C'est un réflexe communautariste. Blé Goudé, voilà quelqu'un a commenté. Quelqu'un a commenté. Qu'est-ce que tu cherches en faisant ce genre de politique? Même à Lakota. Mais moi, je suis quitté à Lakota depuis 1996 ou 97. C'est ça que je suis quitté à Lakota. Mais je me rappelle encore de Djoulaboukou, c'est-à-dire avant, où il n'y avait même pas encore eu de guerre tribale, de Sorogium, où il n'y avait pas encore eu de coup d'état de 2002. Avant, tu vois Djoulaboukou, tu as peur. Ils sont nombreux à Lakota. Ils sont nombreux à Lakota, les Djoula. Mais Lakota, c'est un pays d'Ida. Divo, il y a Djoulaboukou. Boaké, même, on n'en parle pas. Ils ont même fait base de rébellion là-bas. Dans toutes les grandes villes, il y a toujours un quartier Djoulaboukou. Donc, d'où sort cette histoire de créer? C'est ce que le monsieur dit ici. C'est ce que le monsieur dit ici. Ça sort d'où, Blé Goudé? Tu n'as même pas encore créé association de bété pour Blé Goudé. Hein? Tu sautes tes parents bété là, tu dois créer association de jeunes filles malinquées pour Blé Goudé. Et tu parles de visite surprise où les jeunes filles, elles ont eu le temps de porter des kitas. Elles ont eu le temps de mettre truc blanc là sur elles comme ça, comme on fait dans nos cultures. Elles ont eu le temps d'imprimer des t-shirts et puis ta photo est dessus et de porter ça en même temps le même jour pour aller te voir. Et puis tu dis visite surprise. Tu mens même. C'est une association, c'est une organisation que tu mets sur pied.
Pour dire que toi, tu fais politique autrement et que tu fais politique avec les malinqués, c'est-à-dire les djoulas, ce qu'on appelle communément les djoulas. Toi, tu fais politique avec eux à Guibérois. Qu'est-ce que tu veux démontrer que Sorokom n'a pas encore démontré? Ce genre de politique-là, Sorokom l'a déjà démontré. Et ce genre de politique, lorsque ça glisse, ça glisse avec des milliers de morts. Ça glisse avec des milliers de morts, ce genre de politique. Ça glisse avec des milliers de morts. Quand on fait la politique, on s'en fout de quelle ethnie tu es. Si nous on dit les jeunes du RDR, quand nous on dit les jeunes du RDR, mais on ne dit pas forcément les djoulas. Puisque Johnny Pacheco, il est du RDR aujourd'hui, est-ce que c'est un djoula? Zasso en global, il est du RDR, est-ce que c'est un djoula? Si vous m'entendez parler de djoula, je me replonge en 2002 et en 2011. À ce moment, c'était les jeunes djoulas qui étaient remplis de la rébellion et qui ont tué les autres ethnies. Mais quand moi je parle politique, je ne suis pas là pour dire djoula, pour dire tant. Non. Non, parce que on est mélangé. Il y a des djoulas au PPACI. Il y a des djoulas au leader, dans leader ou bien au leader. Il y a beaucoup de djoulas chez Gossoro Guillaume. Et il y a donc la capitale des djoulas chez M. Alassane Dramane Ouattara. Mais ce que si on est un peu mélangé. Non, je veux dire que ce que tu fais là, tu ne vas pas prospérer là-dedans. Ça, ce sont des erreurs. Il faut que les personnes qui te coachent bien. Parce que moi-même, je peux être ton conseiller. Moi-même, là, si je suis ton, j'aime mieux te conseiller que ceux qui te conseillent. Toi-même, tu as bien dit que... comment il dit ça même? Il a l'habitude de dire que... les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est pas ce qu'il dit tout le temps. Même dans sa soi-disant conférence de presse, là. Il a dit ça dedans, là-dedans. Il a affirmé. Il dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais c'est la même chose là que les Alassane Ouattara ont fait. Les Sorokom ont fait. Et ça a enduré des milliers de familles. Quand tu as fait ton alliance avec cet ministre du RDR, dans la même, là où tu as fait la vie, tu as parlé de Burkina Faso, que toi tu es venu pour manger les Burkinabés. Après ça encore, tu es allé voir les musulmans à la mosquée. Aujourd'hui encore, tu attends de recevoir des jeunes filles malinquées de ton village. Et moi, j'ai deux conseils à te donner. Le premier conseil, c'est que tu ne connais pas le RDR. C'est-à-dire les djoulas eux-mêmes, là, tu ne les connais pas. Les femmes djoulas elles-mêmes qui sont venues te voir là, ou les djoulas eux-mêmes, là, tu ne les connais pas bien. Parce que les djoulas, c'est le nerf du problème de la Côte d'Ivoire, les djoulas. Ce sont eux le problème de la Côte d'Ivoire. Regarde même dans la rébellion. Tous les commandants de zone sont des djoulas. Le chef rebelle lui-même, c'est un homme du Nord. Ils sont tous du Nord. Donc Charles Blé Goudé, il ne faut pas faire cette erreur. Il ne faut pas faire cette erreur parce que ça va te coûter très cher. Je vais poursuivre encore avec les commentaires. S'il vous plaît. Je vais poursuivre avec les commentaires. Voilà. Il y a quelqu'un qui... Monsieur Ali Bamba. Ali Bamba dit... Ah, félicitations. Ton message est accessible à toutes les communautés. Tu es un rassembleur. C'est à cause de ça là qu'il est venu faire politique là. Donc tout ça pour qu'un Bamba vienne te féliciter pour dire que tu es un rassembleur. Mais ça, c'est un rassembleur de circonstances. Le jour que ça va chauffer là, c'est le même Bamba là, Ali Bamba là, qui va aller tirer dans ta tête, ta petite tête la chauve là. C'est lui qui va aller tirer dedans. Sans pitié. Ils sont sans pitié. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait en 2002. Violer des femmes. Les déshabiller. Prendre des lames pour déchirer leur culturus. Et quand ça saigne, ils sont là et puis ils sont en train de rire. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est les gens qui ont rendu témoignage à l'Assemblée nationale. J'ai regardé le film là dont je vous ai parlé tout à l'heure que je vais poster sur les Côte d'Ivoire. Abonnez-vous sur les Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur les Côte d'Ivoire. Je vais mettre le lien en commentaire. Là, je vois 364 personnes. Voilà. Vous qui êtes là, allez-y vous abonner sur les Côte d'Ivoire. Je mets le lien pour vous rapidement pour vous. Cliquez sur le lien et abonnez-vous. Parce que c'est là-bas que je mets toutes les archives et les vidéos de nos confrères aussi seront postées là-bas. S'il vous plaît, nous sommes 364. C'est 370 maintenant là-bas, voilà. Donc, je vais mettre le lien pour vous. Abonnez-vous à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. youtube.com/@lescôtesdivoiriens.
Voilà. Je vais balancer le lien. Voilà. Donc, voilà le lien que je viens de balancer. Abonnez-vous sur les Côte d'Ivoire que je vais débalancer le lien là. Cliquez sur le lien, abonnez-vous. Et puis revenez dans le direct, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et pour ceux qui vont regarder en rediffusion, je mettrai le lien en description. Hein? Toutes mes vidéos ont une description juste en bas là-bas. Vous allez voir le lien, cliquez dessus, abonnez-vous. Je vais mettre le film là-bas. Madame, monsieur Blegoudé, j'ai regardé le film. Dakru Tablet, est-ce que tu as vu comment ils l'ont traité? Toi-même, tu as parlé de lui. Tu as parlé de lui dans l'une de tes vidéos sur YouTube. Tu as parlé de Dakru Tablet. Un éminent. Un homme qu'ils ont traîné. Il était en caleçon, slip de garçon. Il était en slip. Il s'est évanoui entre les mains. Et puis les rebelles disent que c'est lui, c'est Dakru Tablet. Filmez-le. Faut regarder la caméra. Faut regarder la caméra. Il y a même une dame qui a dit, mais je vais lui donner bonbon, peut-être qu'il a soif. Pardonnez, il a donné une rebelle hein, à l'hôtel du golf. Elle me met la pitié. Dakru Tablet, tu as vu comment ils l'ont traité? Tu as vu comment ils ont traité ta maman Simone Gbagbo? Elle a été violée. Donc c'est sûr que tu comptes pour venir faire politique. Tu penses que cela va te donner leur amour? Non. Ils ne vont pas te donner leur amour. YouTube, il y a Facebook aussi, mais c'est de YouTube que je parle. Par Facebook, on est déjà 13 000 là-bas. Il y a aussi Facebook, les Côte d'Ivoirien. Mais si vous tapez, vous n'allez pas voir parce que ce n'est pas visible. Je ne sais pas pourquoi, mais les trucs ne sont pas visibles. Même Facebook, quand tu tapes les Côte d'Ivoirien, ce n'est pas visible. Voilà, peut-être c'est le lien que je peux vous balancer. YouTube aussi, c'est la même chose. Donc, cliquez sur le lien là et puis abonnez-vous, s'il vous plaît. Hein? Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que c'est Facebook, c'est YouTube? J'ai mis le lien là. J'ai mis le lien. Abonnez-vous au lien que j'ai partagé tout à l'heure là. Hein? J'ai mis le lien dans la description. Regardez, j'ai mis le lien dans la description. Cliquez sur le lien, abonnez-vous. Je vois 293 maintenant. Voilà, puisqu'on était 280 avant de lancer le direct. Donc, il y a au moins 10 personnes qui sont abonnées. Abonnez-vous, les Côte d'Ivoire, j'ai mis le lien. S'il vous plaît. OK. @ les Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Voilà. Abonnez-vous à ça. S'il vous plaît. Désolé, hein, je vais mettre encore le lien. Désolé, parce que au cas où cette chaîne est fermée, c'est là-bas que je vais passer. Au cas où on signale cette chaîne, ou on ferme cette chaîne, c'est pas là-bas qu'on va continuer le combat. C'est pourquoi je vous demande beaucoup de vous abonner sur les Côte d'Ivoire. Je vais déposter le lien encore. Ou bien vous ne voyez, le lien là n'est pas encore sorti. Ça sort plus là-bas. Est-ce que vous voyez le lien? Ça sort plus. On dirait qu'ils ont signalé la page. Ici, je viens de mettre le lien. Vous voyez trois fois. Mais là-bas, je ne vois plus le lien en direct. Le lien ne s'affiche pas là-bas en direct là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais recommencer. Je vais recommencer. Désolé pour ces désagréments. Hein. C'est important pour moi. Oui, ça ne s'affiche plus. Vous voyez? Ça ne s'affiche plus. Attends, je change de chaîne. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant, restez en ligne. Je suis un des 5. Voilà, 304. Ok, les gens s'abonnent maintenant. On est à 304 personnes. On était à 200. Hein? Les gens s'abonnent au Côte d'Ivoire. Abonnez-vous au Côte d'Ivoire. Attendez, je vais même utiliser le Côte d'Ivoire pour commenter. Je viens de mettre OK dans les commentaires. Est-ce que vous voyez le OK? Voilà, vous voyez le OK, non? Donc cliquez là-dessus et puis abonnez-vous. Voilà, cliquez là-dessus et puis abonnez-vous. Voilà. On dirait YouTube a bloqué le lien. Parce que quand tu mets trop les liens, YouTube bloque. Donc YouTube a bloqué les liens automatiquement. YouTube n'aime pas les liens. Mais c'est avec ça qu'il y a commenté là. Voilà. Où j'ai mis OK là, c'est facile. Abonnez-vous. Mais YouTube bloque les liens. Quand je mets le lien, YouTube bloque ça. Donc ça n'apparaît pas là-bas. Je vais recommencer encore une dernière fois. Non, ça n'apparaît pas ici. Attends, je mets ça, mais ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. C'est pas grave. Ça n'apparaît pas. Non, je vais commenter encore. Voilà. Vous voyez, quand il met OK, ça sort. Vous voyez, OK, ça sort. Mais quand il met les liens, YouTube bloque. YouTube n'aime pas trop quand on met les liens. C'est pas grave. On va avancer dans la vidéo, s'il vous plaît. On a perdu assez de temps dans cette histoire-là. Abonnez-vous à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. OK? Voilà. Donc, Blegoudé, voilà ce que tu disais. On va poursuivre avec Blegoudé, s'il vous plaît.
Alors, il reste à la cour de La Haye donc, de faire preuve de la même intransigeance. On s'entend bien vis-à-vis de la rébellion nordiste, hein, parce qu'il y a des co-responsabilités, oui, partagées. Monsieur Ouattara, il va être très bien dans une stratégie où il veut écarter, soit physiquement, soit politiquement, tout ce qui banque pour le gérer. Jean-Pierre Goudet, vous êtes là? Vous êtes toujours là? Ah, il est selon. D'abord, madame. Oui? Et M. Ouattara, dans sa stratégie, de rester seul en ligne sur la scène politique, écarte tous ses adversaires politiques. Par la violence, par la peur, par les exactions des FRC. Il a bouclé la commission électorale dite indépendante. Que le pouvoir Ouattara contrôle aujourd'hui à 95%. Ce qui n'est pas normal. Cette commission, elle n'est plus indépendante. Regardez, des candidats qui sont bastonnés, qui ne peuvent même pas aller par campagne. Là où des meetings sont interdits. Aucune réunion politique aujourd'hui n'est possible en Côte d'Ivoire si ce n'est pour rendre hommage à M. Ouattara. Dans ces conditions, je le dis, ni les conditions sécuritaires, ni les conditions d'une commission d'instruction indépendante ne sont réunies en Côte d'Ivoire, d'abord dans un premier temps. Donc, une opposition qui se veut sérieuse ne peut pas aller à une telle élection. Parce que la même cause produira le même effet, nous risquons d'allonger la liste des réfugiés la trop grande dans les pays limitrophes. Parce que, est-ce que les Ivoiriens peuvent parler librement? Est-ce qu'ils doivent battre campagne là où les FRC se disent? D'abord, voilà la première raison. Deuxièmement, M. Ouattara veut semer la terreur. En amenant M. Président Gbagbo à l'arrêt, c'est un message très clair à l'opposition pour leur dire, ne prenez pas en compte ce que je dis, prenez en compte ce que je fais. Quand je vous dis que je vais dialoguer avec vous, en fait, c'est pour servir un discours officiel à la communauté internationale, mais en réalité, M. Ouattara ne veut pas donner un espace de liberté à l'opposition. Alors, D'accord. Alors, parlons de vous, Charles Blé Goudet, s'il vous plaît. C'est une dictature, madame, qui est en train de naître en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet, Charles Blé Goudet. J'appelle l'opposition à ne pas aller à ces élections. Charles Blé Goudet, alors moi j'ai une question ou des questions à vous poser. C'est vrai que les responsabilités sont partagées et je disais que on attend que la Cour pénale internationale se comporte de la même façon envers les gens qui sont actuellement au pouvoir. Hein, il y a des responsabilités partagées. Mais ce que j'aimerais vous entendre dire quand même, c'est que Laurent Gbagbo est quand même responsable de ce qu'on lui reproche. Madame, vous savez ce qu'on lui reproche? J'ai appris qu'on lui reproche des crimes économiques. C'est là qu'il amène à la haine. Non, mais quatre... Attendez, Charles Blé Goudet. Quatre chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Donc, meurtres, viols et violences sexuelles, actes de persécution et autres actes inhumains ayant entraîné la mort de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Madame, quand un candidat qui est dans ce qu'on appelle un contentieux électoral, tu l'oppose à son adversaire, et qu'il lance un appel à la communauté internationale pour dire mon ami dit d'avoir des élections à électorat amené au quartier général de ce candidat pour prononcer des résultats hors délai, je vous demande de venir pour qu'il y ait un recomptage de voix. Si ce recomptage de voix me donne vécu. C'est pour ça qu'il faut provoquer la mort d'Ivoirien. C'est pour ça qu'il faut. Attendez, c'est pour ça qu'il faut provoquer la mort d'Ivoirien. Bref. Chers parents, merci beaucoup. Abonnez-vous au Côte d'Ivoirien. Voilà, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. C'est là-bas que je vais poster toutes les archives. Je vais mettre en ligne le film complet. Le film complet de l'arrestation et la manière dont le RDS jubilait lorsque M. Gbagbo Laurent a été arrêté. Je vais mettre le film complet, mais ça fait pitié. Il y a des choses que peut-être que vous n'avez pas encore vues, que vous allez voir dans ce film-là. Comment ils ont traité les gens. Donc, je donne le conseil ici à M. Charles Blé Goudet. Je dis que, parce que c'est par rapport à sa vidéo, sur sa page-là, cette vidéo-là, on va la suivre. Bon, nous on est sur YouTube, on risque de nous donner problème, donc je vais enlever le son, puisque là il est en train de jouer les chansons de Djula maintenant, ok? On continue quand même. Mawa Traoré, non? C'est ça.
voilà. Il joue pas l'autre là, il joue Mawa Traoré. Voilà. Donc j'enlève le son. Donc vous voyez ici Charles Blé Goudé qui donc fait une politique de djoula. Une politique où il y a des djoulas. Attendez, André, les gens parlent. Je vais mettre un peu. Attendez, André, les djoulas ont commencé à parler. Voilà. Tu fais la série de notre pays, de Dibéwa. Les fashions de Dibéwa, je voudrais vous dire merci de votre visite surprise. Belle visite, mais plein beaucoup. Merci. Je suis votre tonton. Merci. Je suis votre papa. Merci. Et désormais, je suis votre voisin. Je suis ici à Kibélo avec vous. Et aujourd'hui, vous m'avez surpris. C'est la nouvelle année, je suis content de vous voir. Je vais dire à Fanta, on va arrêter un rendez-vous. Ou vous aussi, je vais vous recevoir dans la bourse. Blé Goudé, si tu veux là, faut jouer toutes les musiques djoula. Mawa Traoré là, si tu veux là, faut aller la prendre, faut l'enceinter. Les djoulas ne vont jamais t'aimer. Ça, c'est une certitude que tu donnes. Hein? C'est comme Drama Ouattara. Malgré tout ce qu'il fait, les Côte d'Ivoire ne l'aiment pas. Il le sait. C'est lui de faire une politique laïque. Lui qui veut, il rentre au COGEP. Lui qui ne veut pas, il rentre pas au COGEP. Mais faut pas brandir une ethnie. Faut pas, ce que tu fais, c'est pas bon. Faut pas brandir une ethnie. Regarde au PPACI. Aïcha Kone, elle est djoula, non? Mais est-ce que quand le PPACI fait ses activités-là, on met chanson de djoula dedans? On met chanson de PPACI et de Aïcha Kone? Non. Est-ce que les gens ont l'accent sur Malinké djoula? Non. Tafana, Kone Katina, Kolate Zie, en tout cas, ils sont nombreux. Même le père du temple, le gardien du temple, Aboudrama Sangaré, c'est pas un bété. Mais jamais les gens n'ont dit que les djoulas ont fait ça, les djoulas ont fait ça. C'est ça qui a envoyé la guerre. C'est ça qui a envoyé la guerre. C'est pourquoi je traite de ta politique, une politique de djoula. Parce que tu mets l'accent sur le djoula. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut faire une politique où lui qui se sent à l'aise peut venir adhérer à ton parti. Mais tu sais que côté jeune patriote, tu ne peux plus rien gagner là-bas parce que tu as trahi visiblement. Tu sais que côté Dramane Ouattara, là-bas, c'est un peu bizarre. Donc maintenant, tu traînes. Mais Sorogom, tu le mets où? Ah oui, parce que Sorogom, il a écrit un livre. Hein? Toi, tu n'as pas écrit un livre pour soutenir les djoulas. C'est le même djoula là qui t'appelait Blé la Machette. Il ne faut pas l'oublier. Je voulais te montrer le film de l'arrestation de Babo Laurent. Comment les gens étaient, ce que les gens disaient. Parce qu'il y a certaines vidéos que j'ai regardées que je n'avais pas encore regardées. Hein. Je n'avais jamais regardé ce genre de vidéos-là. J'ai regardé la vidéo où Simon Babo était, mais où on la traînait. Je n'avais pas encore vu cette vidéo. On la traînait comme ça. Une exprimée dame. On la traîne comme ça par ses cheveux. Ça est dans la vidéo. Je vais poster la vidéo. Oh, Dakou Tablet, hey, Seigneur Jésus. Vous ne pouvez même pas. Je ne sais, sais pas comment je peux. Je ne sais pas si je dois vous montrer ça même tout à l'heure même. Donc, je veux dire à Blé Goudé, c'est une erreur grave. Une erreur très grave. Mais ça prouve que tu es tombé. Donc, tu es obligé de prendre le même système de Soro Guillaume. Parce que tu es tombé visiblement. Tu es tombé visiblement. Alors, il y a quelqu'un dit ici, vous faites comme si Blé Goudé n'a pas été traîné aussi. Blé Goudé a fraya. Voilà. Blé Goudé, c'est un frayaliste.
Blaise Goudé n'était pas en Côte d'Ivoire quand on attrapait les Dacu Tablet, quand on attrapait les Gbagbo Laurent, quand on attrapait les Simone Gbagbo, quand on attrapait les Michel Gbagbo, lorsqu'ils ont tué, comment il s'appelle, Désiré Tagro. Blaise Goudé n'était plus en Côte d'Ivoire, il a fraya. Tu parles des gars traînés. Il était là quand on faisait pomper les Michel Gbagbo, là, il était où? Quand on faisait pomper la fille Nguessa, là, il avait dit fraya. Donc peut-être que c'est toi qui ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Blaise Goudé a quitté la Côte d'Ivoire avant même avril. Avant de rentrer en avril, là, lui, il était déjà parti. Soko. Avant même 2011, Blaise Goudé est parti déjà. Il a été attrapé au Ghana et il a été envoyé à la DST. Donc, de quelle traînée tu parles? Mais si lui-même sait ce qu'on lui a montré à la DST, ce que le RDA, où il cherchait un poisson pour manger, et lui-même il disait à la CPI, dans une mare d'eau, il doit faire attention. Je vous dis qu'en bas de cette vidéo, j'ai vu les commentaires. Et attends, je vous montre un peu les commentaires, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont dit, Blaise Goudé, il faut faire attention. Et les commentaires là, le faisaient que revenir. Blaise Goudé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a un mec qui dit que tu as volé la vedette. Tu as volé la vedette à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'a jamais fait une politique de Djoula, ni de Bété, ni de Baoulé. Koudou Laurent Gbagbo, que moi je connais là, il n'a jamais fait une politique de Djoula, ni de Bété, ni de Baoulé. Regardez même dans son parti, regardez même ses partisans. Ses partisans étaient dominés par les guérés, par les gourous. Un peu des autres ethnies. Ce n'était pas une seule ethnie. Donc arrêtons la politique basée sur les ethnies. Arrêtons cette politique-là. Si moi je parle de la crise post-électorale, je vais cibler le RDR et les Djoula. Mais quand on parle de la politique présente, on ne parle pas des Djoula, on ne parle pas des Dida, on ne parle pas des BT. Donc c'est ça le conseil. Tu es un mauvais conseiller. Et tu n'arriveras nulle part avec cette politique. Tu n'arriveras nulle part avec cette politique. Donc, je pense qu'il faut bien me comprendre quand je parle. Sinon, lui qui a dit que Blaise Goudé, je ne sais pas s'il a supprimé le commentaire, ou bien ça y est encore là. Il y a un gars qui a dit, vous faites comme si, bon, je ne vois plus le commentaire, il a visiblement disparu. Il y a un gars qui a, allez, le commentaire il est là, mais il y a un autre gars qui a supprimé son commentaire, je ne sais pas pourquoi. Mais je lis vos commentaires maintenant. Hein. Non, mais c'est Eric. Blaise Goudé n'a pas été traîné. Blaise Goudé, là, il a traîné des foules, mais lui-même, il n'a pas été traîné. Hein. Voilà, donc il faut répondre, il faut me situer. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire avant 2002. Depuis toute ma naissance, jusqu'en 2011, jusqu'en 2018, moi j'ai passé toute ma vie en Côte d'Ivoire. J'ai pris l'avion, je suis sorti de la Côte d'Ivoire en 2018 et je suis venu ici dans ce pays, aux États-Unis. Donc vous ne pouvez rien m'apprendre sur la Côte d'Ivoire et sur la crise en Côte d'Ivoire parce que j'étais encore vivant. Merci mon frère pour tes $2, merci pour ton soutien. Voilà, chers parents. Donc, je lis maintenant vos commentaires. On y va dans les commentaires. Pendant ce temps, regardez ici, par exemple. Quelqu'un dit, il est au top, elle est au top, elle est ta top fan. Elle s'appelle Lydie, Madame Lydie. Elle dit, moi aussi, je ferai bientôt une surprise, une visite surprise. Moi aussi, je ferai bientôt ma visite surprise pour être la cousine. Tu vois, elle se moque de toi d'une manière ou d'une autre. Tu vois un peu, il y a un qui dit ici, il s'appelle Christophe, il dit, c'est quelle histoire de jeune? Je vais montrer un peu, le voici ici, voilà, Christophe, voilà ça, Christophe, ok, voilà. Il dit, voilà son commentaire, il dit, c'est quelle histoire de jeune fille malinquée? C'est quoi ça encore? Et puis les gens ont mis des trucs, des émoticônes qui rient, les gens se moquent de son commentaire. Soit on se moque de toi, on se moque de lui, mais ça dit, tu es en train de créer une atmosphère politique que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus ça. Parce que moi, je veux que M. Souleymane Gbagbo Kone se sente à l'aise au PPACI. Souleymane Gbagbo Kone là, c'est un Djoula, non? Est-ce que c'est pas un Djoula? Tu vois pas comment il parle? Il n'est pas là pour dire, non, moi je suis Djoula, mais venez au PPACI. Non! Il n'a jamais dit que moi je suis Djoula, mes frères Djoula, venez avec moi. Non! Il parle comme s'il était bêté. Comme s'il était gourou. C'est-à-dire qu'il fait une critique comme s'il n'était même pas Djoula. Il n'a jamais mélangé son ethnie à ses discours. Mais c'est mon petit frère. C'est mon petit frère en âge.
Souleymane Gbagbo qu'on est là, il n'a même pas 30 ans. S'il a trop, peut-être c'est 35 ans. C'est mon petit frère en âge. Mais il ne mélange pas les discours comme ça, comme tu fais là. On ne fait pas politique comme ça. Si j'étais ton conseiller, c'est ce que j'allais te dire. Il faut arrêter ça. Mais tu ne peux plus convaincre un grand nombre. Tu ne peux plus convaincre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons que tu es tombé. Sinon, moi-même, il y a des gens qui ne connaissent pas mon intini. Mais il y a 427 personnes en ligne. Pour une vidéo que je n'ai pas préparée, une vidéo où je t'entends, où je ne suis pas trop concentré, mais il y a 427 personnes en ligne, bleu goudé. Et puis on est sur YouTube. Il n'y a pas à faire de partager puis de mettre les cœurs. Ici, c'est pouce bleu, on fait souvent par là. J'ai dit aux gens de mettre pouce bleu. Mais il n'y a pas à mettre les cœurs pour que les cœurs montent. Ou bien il n'y a pas à partager dans le groupe. Ça n'existe pas. C'est celui qui veut, qui vient, il est là et puis il regarde. Mais est-ce qu'on est là pour dire non, que moi je suis du Dida, mes frères Dida venez avec moi, vous m'avez déjà entendu dire, oh hey, Seigneur, que les gens du Nord, les gens du Dieu ne parlent pas comme ça. À chaque fois que j'attaque les nordistes, c'est lorsque je parle de la crise post-électorale. C'est ça qui est la vérité. Quand on raconte l'histoire, il faut bien raconter l'histoire en citant les auteurs de l'histoire qu'on rencontre. C'est ça que moi j'ai fait. Sinon, lorsqu'on quitte dans ça, et puis on vient en politique, vous m'avez déjà vu parler de tous les sudistes soutenir Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est votre fils. Non, un jour, j'ai fait un petit décryptage que ce Ladji Chérif-là, au lieu d'aller bien se laver, il a coupé pour aller mettre sur sa page. Et il dit là-bas que un responsable, André, je lui ai dit que je suis responsable du PPACI, un responsable du PPACI dit que les BT ont trahi Gbagbo Laurent, et puis ils sont en train de rire sur sa maudite page-là. Où il fait des papas. C'est comme ça que vous communiquez au RDL. Hein? Vous communiquez sous les vidéos des autres. Voilà la communication. Ils prennent les vidéos des autres là pour mettre et puis ils sont en train de rire. Et puis ils sont en train de rire. C'est pas comme ça qu'on communique. Quand est-ce que vous allez parler de votre monsieur Alassane Drama Ouattara à part les ponts? Est-ce que vous pouvez démontrer qu'Alassane Ouattara est un homme de paix? Moi je peux démontrer qu'Alassane Ouattara n'est pas un homme de paix. N'est pas un homme qui favorise la réconciliation. Je peux le démontrer, même jusqu'aujourd'hui, je peux démontrer. Ce dimanche-là, je peux démontrer qu'Alassane Ouattara n'est pas un bon président. Parce qu'un bon président, c'est celui qui laisse les autres parler. Même Gbagbo Laurent, qui est Gbagbo Laurent, que vous dites qu'il est démon là. Gbagbo Laurent, lui-même, il a dit un jour, il dit, j'ai dirigé pendant 10 ans. Je n'ai mis aucun homme politique en prison. Pendant plus de 10 ans. Et puis, dans quelle atmosphère? Dans une atmosphère de guerre, où il avait la légitimité d'attraper les Ouattara, les shérifs Ousmane, et de les mettre en prison, ou de bombarder même l'hôtel du Golfe, où vous étiez tous retranchés. Il ne l'a pas fait. Il dit, venons à compter, venons à regarder les bulletins. Il n'a pas mis Sorogem en prison, il n'a pas mis les rebelles en prison, au contraire. Pour qu'il y ait la paix, il a reconnu les grades des rebelles. Il a pris le chef rebelle pour faire de lui premier ministre. Vous voyez, non? Donc, je peux démontrer que Drama Ouattara n'est pas un homme de paix. Il n'est pas un bon président. Même s'il construit vos ponts. Mais il n'est pas un bon président quand même. Chers parents. Donc, je suis en train de lire vos commentaires, s'il vous plaît. Vous voyez, monsieur Eric, c'est parce que je lis vos commentaires que vous continuez de commenter comme ça, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne parlez pas politique. Vous êtes trop faible. Vos commentaires sont trop faibles. Et je pense que je ne vais plus poursuivre, mais si tu continues, je vais te bloquer. Voilà, si tu veux m'attaquer, tu m'attaques sur le sujet. Je donne conseil à M. Charles Blé-Goudé de faire attention et de ne pas faire une politique ethnique. Parce que ce genre de politique-là, ça envoie beaucoup de problèmes. C'est ce genre de politique-là que les autres, ils ont essayé et il y a eu beaucoup de morts. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas réfléchis dans un peuple. Donc, beaucoup ont pris les armes pour aller tuer les autres. Donc, si le niveau de mon débat est très élevé que votre petite cervelle, vraiment, soit vous la fermez, soit je vous bloque. Parce que je suis en train de lire les commentaires et c'est vous qui commentez plus, mais vous ne dites rien de bon. Par exemple, je vais lire votre tout dernier commentaire pour vous donner un peu de considération quand vous êtes un être humain. Vous dites que c'est vous les mêmes là, quand Blé Goudé sera président, vous allez changer de bouche. Mais moi, en 2010, j'ai voté pour le président Laurent Gbagbo. Hein, frère, il faut prendre des choses là pour enlever les poils qui sont sur tes testicules là pour bien m'écouter. Il faut bien te raser pour bien m'écouter ce que j'ai dit. J'ai voté pour le président Laurent Gbagbo parce que je ne pouvais pas voter pour un homme. Je parle de 2010, on est en 2023, ça fait 13 ans en arrière. Moi, j'ai voté pour le président Laurent Gbagbo.
Parce que j'avais fait ma petite analyse. J'avais fait ma petite analyse et je ne veux pas donner ma voix à quelqu'un qui dit « Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. » Un tel homme n'est pas un démocrate dans l'âme. Un tel homme est un homme va-t-en-guerre. Il dit « Si, il faut tout, on va tout niagrami. » On a suivi tous le débat à la télévision. Le duo en 2010 entre Drama Ouattara et Gbagbo Ouattara l'a dit. Qu'un tel homme, normalement, même normalement, on devait l'arrêter. Et ce n'est pas pourquoi Gbagbo Ouattara a permis à ce monsieur de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire que j'ai voté pour M. Laurent Gbagbo. En 2010. Et malheureusement, les rebelles et la France, ils ont tout fait, ils l'ont pris, on lui a arraché la victoire. En 2015, j'étais encore à Côte d'Ivoire. Je n'ai pas voté. Je n'ai voté pour personne parce que je ne voyais pas un homme politique capable de faire quelque chose. Bédié a été trahi. Drama Ouattara, il est parti aux élections. Je ne sais pas si c'était avec Afin Guessa et puis il a fait comme ça, il est devenu président. 2020, là, je ne suis même pas resté en Côte d'Ivoire pour que 2020 arrive. Je suis venu ici en 2018. Donc ce que j'ai dit, depuis 2010, là, c'est la même chose que je dis aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas changé de bouche. Mais il y a un autre président qui est là, mais je n'ai pas changé de bouche. Donc quand vous dites que c'est vous les mêmes là qui allez changer de bouche demain, tu vois que c'est très faible. Tu ne parles pas du sujet dont nous traitons ici. C'est-à-dire que tes commentaires n'ont rien à voir avec ce que nous disons. Et non seulement ces commentaires n'ont rien à voir avec ce que nous disons, mais ce que tu dis c'est très bas. Donc je vais te bloquer et je ne veux plus jamais te voir sur ma chaîne parce que tu vas me retarder pour rien. J'ai pris 5 minutes pour parler pour rien parce que ce que tu dis n'est pas posé. Pas forcément parce que tu n'es pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas posé. C'est vous les mêmes là qui allez venir parler pour lui. En fait, tu es un prophète. Tu me connais, je suis ton ami. On ne se connaît pas, frère. Je ne suis pas une familette. Ce que j'ai dit hier, je le dis toujours et puis je le dirai toujours. C'est parce que Drama Ouattara ne permet pas aux gens de parler librement. Sinon, je vais aller rentrer encore, je ne vais plus faire vidéo là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Donc, je vais te bloquer. J'espère que tu as compris la partie là. Je vais te bloquer. Attends, ici là, je ne peux pas bien te bloquer. Il faut que je te bloque. Il faut que je te bloque très bien. Je vais aller prendre ma tablette là pour te bloquer. Parce que c'est pourquoi j'aime programmer ma chaîne là pour seulement les personnes qui sont. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas mis la programmation. Sinon, d'habitude, je programme ça de telle sorte que hein, ces individus-là ne puissent pas nous retarder. Parce que nous sommes déjà à 1h18. Vous êtes 430. Et nous sommes à 1h18. Merci pour les 184 pouces bleus. Si vous pouvez encore les augmenter, ça va me faire plaisir. Et merci pour le frère qui a mis les 2$ pour soutenir la chaîne. Voilà. On va... Attendez, je vais bloquer le monsieur. Ici, tu peux bien le bloquer parce que je vais rentrer dans les paramètres. Voilà. C'est même pas la peine de supprimer ton commentaire même. Tu supprimes ou il va te bloquer toujours. 441 personnes, voilà. 441. Restez en ligne. Je vais bloquer le monsieur. Voilà, on va aller dans les paramètres. Vous voyez les paramètres, non? Voilà, ici, je peux aller dans les paramètres. Et puis, je vais le bloquer purement et simplement. Voilà, donc donnez-moi un instant. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas réfléchi. Vous n'avez rien dans vos caleçons. Et Bleu Goudé, s'il pouvait m'écouter, ça allait vraiment me faire plaisir. Parce que là, il a un problème. Attends, je suis dans le direct, non? Donnez-moi un instant. Visibilité. Ok. Yes. Voilà. Donnez-moi un instant. Tu vois comment tu me fatigues, hein, frère? Tu vois comment tu me fatigues? Voilà, tu vois? Tu vois comment ça sonne, juste dans les paramètres. Il m'a été bloqué maintenant. Il voit tout ici. Oh. Donc, tout ce qu'on commente là, il peut bloquer tout le monde. Tu vois, hein? Mais si dans les paramètres, directement. Voilà, tu vois? Voilà, voici les options. Je vais te bloquer ici, là, tu vois ici là. Voilà. Je vais te bloquer. Il y a bloqué temporellement et il y a bloqué pour toujours. Donc, il y a te bloquer pour toujours. Voilà. Temporellement, ça ne m'arrange pas. Parce que si tu dois venir 2 fois, 3 fois dans mes directs, tu vas trop me perdre le temps. Bref, j'ai fini avec lui. On va avancer. Voilà, s'il vous plaît, on va avancer. J'ai fini avec lui. Chap, chap. Voilà. Et j'ai paramétré la chaîne.
Voilà, tu n'es pas abonné à la chaîne, tu ne peux plus commenter parce que ça me perd le temps. Mm-hmm. Chers parents, on continue. 453 personnes en ligne, 192 likes. Merci beaucoup. Non, je ne vais pas l'ignorer, je vais le bloquer. Voilà, maintenant je vais voir les autres commentaires. Voilà, il y a une dame qui a fait un commentaire en bas de l'une de mes vidéos, pas cette vidéo-ci, mais en bas de l'une de mes vidéos. Elle a dit le problème des politiciens ou des jeunes politiciens, c'est le manque de constance et puis le fait de se laisser embobiner par l'argent. C'est le problème des jeunes politiciens. Beaucoup se laissent embobiner par l'argent. C'est l'argent qui prend le dessus. Vous allez voir Blaise Boudé, tôt ou tard, il va finir par céder. Vous voyez que le RDN ne réagit pas à ses propos. Il attaque un peu, il fait comme ça. Les gens ne réagissent pas. Ils vont l'appeler de côté pour lui donner des conseils. Oui, vous allez voir bientôt, ils vont l'appeler pour lui donner des conseils. Et pour lui dire, pour lui demander de prendre sa position. Parce que le RDN, c'est comme ça. Quand tu commences à faire comme ça, eux, ils ne te mettent plus au mur. Voilà, ils ne te mettent plus au mur, dos au mur. Comme ils ont fait M. Soro Gbagbori Guillaume. Donc on lui dit clairement, tu es avec nous, mais tu n'es pas avec nous. Comme ça, si tu n'es pas avec nous, on va te traiter tel. Si tu es avec nous, on va te traiter comme tel. C'est comme ça ils sont. Pour l'instant, ils ne disent rien. Mais je vais dire à Blaise Boudé de faire attention. On n'a pas fini avec sa vidéo de Djoula. On va poursuivre la partie. On va finir la partie là, s'il vous plaît. Je suis ici à Kibelou avec vous. Et aujourd'hui, on m'a suivi. C'est la nouvelle année, je suis content de vous voir. Je vais dire à Fanta, on va arrêter un rendez-vous. Ou vous aussi, je vais vous recevoir dedans là-bas aussi. Donc, vous voyez, tout est calculé. Pour insister sur le fait des Djoula, là, ils ont mis un chant Djoula. Et il a mis en titre, visite aux surprises des jeunes filles malinquées de Guibéroua chez Blaise Boudé. Et il y a des gens qui ont mis dans les commentaires, tu n'étais pas obligé de mettre malinqué là. Parce que c'est les choses comme ça qui créent des problèmes. Visite surprise des jeunes filles chez Blaise Boudé, point. Maintenant, ceux qui vont regarder les vidéos, chacun, ils vont, nous, on va déduire, ils sont dominés par les jeunes Djoula, hein. Donc c'est bien. En tout cas, les Djoula commencent à aimer Blaise Boudé. Ah, Dieu merci, le pays avance. Chacun va faire son commentaire. Mais quand toi-même tu mets visite des jeunes Djoula, des jeunes malinqués chez Blaise Boudé, et puis encore dans le montage de la vidéo, vous mettez Mawa Traoré, mais on sait qu'on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Donc actuellement, tu fais une politique contre ton gré. C'est ça qui est la vérité, Blaise Boudé. C'est ça qui est la vérité. Sinon, tout à l'heure, si vous me permettez, on va laisser cette histoire-là de Malinké là, et puis on va revenir dans les vraies histoires. Tout à l'heure, voilà ce que tu dis ici, Blaise Boudé. Ne t'inquiète même pas. Je vais montrer une vidéo ici, s'il vous plaît. Si vous me donnez juste un peu de temps, un tout petit peu de temps, je vais montrer une vidéo ici. S'il vous plaît. Est-ce que vous allez me donner le temps? C'est le temps là que je cherche. Donnez-moi un instant, ça vient, il y a la publicité là. Merci de mettre les étoiles, les cœurs, voilà. Mettez les cœurs, toujours, mettez les pouces bleus, pardonnez. Voilà, mettez les pouces bleus, toujours les pouces bleus pour le combat. Le combat continue. Même si souvent, hein, tant on est, le combat il continuera. Écoutez très bien. En tout cas, au chapitre, ou alors c'est la liste de ses opposants qui l'expliquent. Parce que pendant combien de temps vous allez continuer ça? Mais vous ne divisez pas le pouvoir simplement par un coup d'État. Parce que vous voyez le coup d'État partout. Simplement parce que vous savez comment vous êtes arrivé là. Nous ne sommes pas des partisans de coup de force. Alors, voyez-vous, toutes ces poursuites judiciaires ne sont qu'un prétexte. La vérité, elle est ailleurs. Le régime de M. Ouattara a peur d'une opposition significative.
Eux, ce régime, c'est ce que nous représentons dans le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on nous poursuit. Mais doit-elle accepter le jeu démocratique? En tout cas, au chapitre où alors c'est la liste de ses opposants qui n'inscrivent mon nom. Mais je serai un opposant bien éduqué. Un opposant, j'allais dire, qui propose, qui critique. Je ne serai pas un opposant qui prend des armes. L'opposition ivoirienne doit jouer son rôle et qu'on nous permette de jouer notre rôle. La place de l'opposition qui n'est pas en prison, c'est sur le terrain. C'est cela qui dit la vérité. Et j'espère que cette opposition ne va pas tomber dans le piège que M. Ouattara lui tend. La précipité de la sélection législative. Attends, c'est pas ça que je cherche. Je cherche une partie partout, là. Dans la ville, pourquoi êtes-vous surpris que les gens sont agressés partout? Des Ivoiriens qui n'ont rien à voir avec la politique ont vu leur domicile pillé, leur bien arraché. Des véhicules, plus de 25 000 véhicules, même plus que cela, ont été arrachés à des Ivoiriens. Mais tout le monde n'a pas gagné sa vie à partir de la politique. Même quand Guéry aurait pris le pouvoir, en 99 par un coup d'État, les Ivoiriens n'ont pas été aussi pillés que ça. Et c'est vous qui voulez faire des leçons aux gens? Et c'est vous qui poursuivez les gens? Non! C'est vous qui devez être poursuivi. Vous qui tuez les bêtés. Vous qui tuez les ébriers. Vous qui tuez les abourés. Vous qui tuez les anis. Vous qui tuez les aladjans. Vous qui tuez les abidjis. Vous qui tuez les guérés. Vous qui tuez les robert. Parce qu'ils ne sont pas du Nord. C'est vous qui devez être poursuivi. Merci. Blegoudé, voici les djoula que tu viens de définir. Vous avez tous entendu, c'était sa première comparution. C'est-à-dire depuis qu'il a fraya, la première fois qu'il sortait, voilà ce qu'il disait. Blegoudé a oublié qui sont les djoula. Donc je lui donne deux conseils. Le premier conseil, il ne faut pas faire une politique ethnique parce que ça nous a trop fatigués et ça fait que les autres là ont tué les autres ethnies. Tu as cité les ethnies qui ont été tuées. Tu les as citées en détail. Les ébriers ont été tués. L'assaut final de Yopougon. Mais la plupart des jeunes sont des ébriers parce que Abidjan, surtout Yopougon, est dominé par les ébriers. Quand on te parle de base navale, base maritime, base maritime qui est à côté de... Ça existe encore, hein? Ils ont réhabilité. Il y a une base, il y a une marine à côté de... Où j'ai eu mon bac là, le lycée municipal lycée municipal Atekoubé. Avant c'était Atekoubé tout court, maintenant il y a Atekoubé 1, Atekoubé 2. Voilà. Sinon ce lycée là, il y a une base militaire juste derrière. Mais les gens ont fait le ratissage. Sorogo même est allé là-bas pour rendre honneur à M. Kone Zakaria. Et c'est là même qu'il a dit, mais j'ai vu les cadavres joncer les rues et que je suis encore sous le champ. C'est les ébriers qu'ils ont tués. Moi, je connais des amis ébriers, compris les hommes qui sont morts dans cette affaire de jeunes patriotes-là. Je connais plein comme ça. Lokodjo, merci mon frère. Ça me fait mal quand tu dis le nom là. Un vrai Côte d'Ivoirien connaît Lokodjo. Tu ne peux pas dire que tu es Côte d'Ivoirien, surtout que tu vis à Abidjan, et puis tu ne connais pas Lokodjo. Parce que Lokodjo, c'est là-bas qu'il y a les bateaux-bus là, pour aller au plateau, pour aller à Trècheville. Au lieu de passer par Adjamé jusqu'à pour aller au plateau, c'est trop long. Donc tu peux prendre le bateau-bus, et puis ça traverse la lagune, et tu es au plateau. Ou bien ça traverse, tu es à Trècheville, et tu continues vers Pobouy. Donc Lokodjo, c'est un coin tactique pour toutes les personnes qui voyagent ou qui ont fréquenté comme nous. Mais les gens ont tué les gens à Lokodjo. Et tu as cité les ethnies là ici. Tu as cité toutes les ethnies sauf le djoula. Ça veut dire que c'est le djoula là qui tuait les autres ethnies. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc si tu ne veux plus qu'on replonge dans ces choses là, il ne faut pas ramener encore une telle politique. Parce que les gens ont tué les autres ethnies parce qu'ils disaient qu'on n'aimait pas leur ethnie. Et qu'on empêchait leur ethnie de porter boubou. Et qu'on empêchait leur ethnie de manger kabato. Et qu'on empêchait Soro Guillaume de voyager. Quand on voit sur les... Seigneur, attendez, je vais vous montrer quelque chose. S'il vous plaît. Donnez-moi un instant. Parce que cette affaire d'ethnie-là, il faut qu'on explique ça très bien aux Côte d'Ivoiriens, aux jeunes Côte d'Ivoiriens. Pas les vieux comme nous. Nous, on est vieux, on a vu dedans. Mais vous qui avez les 20 ans, là, c'est à vous qu'on parle. S'il vous plaît, donnez-moi un instant. Je vais vous montrer, je vais taper un titre. On est à combien? 1h30. Oui, on peut faire jusqu'à 1h40. Restez en ligne, mettez le pouce bleu s'il vous plaît. Voilà, mettez le pouce bleu s'il vous plaît. Comment on appelait assaut final? C'est ça non? Assaut final sur Yopougon. Je vais taper pour voir si ça sort. Assaut final sur Yopougon. Yopougon, je vais mettre 2011. 2011, et puis il y a mes Soro.
Voilà. Viens voir ce qui va sortir, s'il vous plaît. Si je pouvais, voilà. Il y a une vidéo qui est dans mon esprit là, que je voulais montrer, mais je ne sais pas si je peux montrer ça. Je ne sais pas si je peux montrer ça. Everyone needs quality health insurance. Restez en ligne. Mettez les pouces bleus. Nous sommes vers... Nous sommes vers la fin. Gbagbo, au pied du mur. Les forces armées de Ouattara sont ici à 500 mètres de la résidence du président sortant. Des tirs ont aussi été entendus autour du palais présidentiel dans le quartier du Plateau. Nous avons sérieusement amoché, si je peux m'exprimer ainsi. Et la lutte continue, nous en finirons. L'objectif des forces républicaines, capturer vivant Laurent Gbagbo. On a cherché à négocier avec lui, mais malheureusement, tout ça aboutit à rien du tout. Tu sais qui parle là? C'est Afousiatou Bamba Lamine, une femme de justice. Elle porte toge noire là aussi. Elle est juriste. Elle parlait au nom des rebelles. Guillaume Soro était tellement préoccupé en donnant les ordres au téléphone. C'est elle qui représentait Guillaume Soro. Et c'est elle qui était le porte-parole du RDR. Voilà ça ici. C'est écrit ici. Afousiatou Bamba, porte-parole du camp Ouattara. On dit même pas RDR, on dit camp Ouattara parce qu'on était en guerre. Il y avait le camp Gbagbo et le camp Ouattara. C'est avec ces gens là que tu veux faire politique. Et tu crois que cela il t'aime? La fille qui dit que non. Il y a monté une vidéo ici où la fille a dit, nous t'aimons l'amour. Et puis ils sont en train de manger l'amour. Mais tu te trompes, Blé Goudé. Tu te trompes, Blé Goudé. Tu te trompes, Blé Goudé. Il faut faire ta politique sans mentionner Djoula, tout ça là, c'est mieux. Parce que les Djoula que nous on connaît là, les Djoula que nous on connaît en Orient n'ont pas l'amour, n'ont pas ton amour. Ça c'est clair. Écoutez, c'est pas ça que je cherche une vidéo. Il y a une vidéo que je cherchais là. Malheureusement, je ne retrouve plus la vidéo. Où Soro Guillaume était allé voir à Yopougon concernant l'assaut final, mais je ne retrouve plus la vidéo malheureusement. Attends, je l'avais téléchargée ici. Donnez-moi un instant, hein. On va terminer tout à l'heure. Mais c'est important que je montre cette vidéo là. Si je n'ai pas pu retrouver la vidéo, un autre jour on en parlera. Voilà, on a tout le temps. Pour une bonne cause. On ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. Ou bien, Blé-Goudé, c'est ce que tu disais, non? Voilà. Maintenant, tu as perdu ton temps. Hein? Pour une bonne cause, pour une cause noble, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. C'est ce que tu disais. Mais visiblement, tu n'as pas pris tout ton temps. Hein? Tu n'as pas pris tout ton temps. Ah non, attendez, c'est la vidéo qui est. Rapide. Donne-moi un instant, je vais voir si. Non, c'est pas la vidéo. Le président. C'est pas la vidéo qui est là, je vais voir celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Bon, malheureusement, désolé. Malheureusement, je ne retrouve pas. Attends, je vais voir ici. Aboubodoumé, voilà, voilà ça. Il n'y a plus de résistance dans le district d'Abidjan. L'heure est au ratissage à Bobo. Hey, shit, il s'est sorti. Mon œil me démange aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de poche de résistance dans le district d'Abidjan. L'heure est au ratissage à Bobo-Doumé, non loin de la commune de Yopougon. Dernier bastion des miliciens a été tout simplement libéré ce mercredi par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Elles ont été félicitées par le Premier ministre. Ministre de la Défense, Soro Guillaume, le point avec Martial Gbamilé et Sylvie Touré pour le commentaire. Le dernier bastion des miliciens pour Gbagbo est tombé. Il s'agit du quartier d'Abobodoumé dans la commune de Yopougon qui abrite le lycée municipal d'Atekoubé et la base navale de Lokodoro, les deux principaux QG des miliciens. Le commandant shérif Ousmane de FRC et ses hommes qui ont conduit l'offensive confirment la libération de la commune de Yopougon. Ici c'est Abobodoumé, donc on a juste la marine à côté. Donc c'est le seul secteur qui nous restait et ce matin je pense qu'on nous emmène de 11h37. C'est une zone qui est définitivement occupée par nous.
Au terme du ratissage, pour débusquer les derniers miliciens, le Premier ministre Soro Guillaume s'est rendu sur le terrain. C'est avec stupéfaction qu'il a découvert les cimetières de fortune créés par les miliciens. J'ai vu la rue jonchée de cadavres. Hein, on est allé au QG des miliciens. Vous avez vu le cimetière improvisé qu'ils ont fait. J'imagine toutes les exactions qui ont eu cours. Et là, vraiment, je suis choqué, je suis encore sous le choc d'avoir vu tous ces morts-là, tous ces cadavres. Et on nous a bien expliqué que les miliciens exécutaient les populations civiles et vous posaient, si vous aviez un nom qui n'était pas correct, on vous exécutait. Et ça, vraiment, je trouve ça inacceptable. Le Premier ministre a aussi félicité ses combattants avant de les encourager à redoubler de vigilance. La mission doit continuer parce que on doit faire en sorte que tout Yopougon et tout Abidjan soient sécurisés. Et on compte sur vous. La libération des Yopougon sonne la délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Après donc le quartier d'Abobo-Doumé, c'est enfin toute la grande commune de Yopougon et ses environs qui ont été libérés par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et les populations qui y vivent ont tout simplement laissé éclater leur joie. Yopougon enfin libéré. Après 2 mois de captivité par les miliciens pro-Gbagbo. Une libération traduite par une foule en liesse. Ça fait 2 mois qu'on est dans la maison, on ne sort pas. Je suis sur la route tout près. Ils ont volé tous mes camarades. Ils m'ont dit de partir, qu'ils vont s'arranger, ils vont faire ma sauce. C'est ça, les grands l'ont dit, il faut rester. Il va y avoir quelqu'un qui va te toucher. C'est ça qui fait aujourd'hui on est là. Je suis libre. Je prie que tout n'a qu'à finir bien. Aujourd'hui, on est très heureux que tout finisse vraiment dans de meilleures conditions. Ouais. On vous remercie vraiment les FSI d'avoir nous libérés. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, auteurs de cette délivrance, ne cachent pas, elles aussi, leur joie. Nous pouvons rassurer la population qu'elle peut reprendre vraiment la vie. Je sais qu'il y a encore moi ou Glofey qui serait caché quelque part, mais je suis convaincu que d'ici peu, on pourra donc le faire sortir de sa cachette et nous souhaitons même qu'il sorte lui-même. Les nombreux corps qui jonchent les rues traduisent la férocité des combats. Ces quartiers sans vie sont désormais un triste souvenir. Yopougon, la cité de la joie, peut enfin revivre grâce au FRC. Merci. Charles Bleu Boudé, voici les Djoula. Les malinqués qui sont allés te voir là, voici ce qu'ils ont fait hier. Oui, ce sont eux. Et tu l'as dit dans cette vidéo. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu l'as dit ici. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Pardonnez. C'est pas de ma bouteille à mailler ton piment. Tu l'as dit ici là. C'est toi que tu dis ici. Même quand il aurait pris le pouvoir, à 99 par un coup d'État, les Ivoiriens n'ont pas été aussi pillés que ça. Et c'est vous qui voulez faire des leçons aux gens. Et c'est vous qui poursuivez les gens. Non, c'est vous qui devez être poursuivi. Vous qui tuez les bêtés. Vous qui tuez les ébriers, vous qui tuez les abourés, vous qui tuez les anis, vous qui tuez les aladiens, vous qui tuez les abidis, vous qui tuez les guérés, vous qui tuez les robets. Parce qu'ils ne sont pas du Nord. C'est vous qui devez être poursuivi. Alors, vous pensez que pendant combien de temps vous allez continuer ça? Mais vous n'équipez pas le pouvoir simplement par un coup d'État. Parce que vous voyez le coup d'État partout. Merci. Parce que vous savez comment vous êtes arrivé là. Merci. Donc, si, pour terminer la vidéo, puisque nous sommes déjà à 1h beaucoup, chers parents, j'ai vu une vidéo où M. Charles Bleu Boudé a dit que les Djoula, qu'on appelle en bon terme, si vous voulez, les malinqués, c'est-à-dire les musulmans de Côte d'Ivoire, mais qui vivent à Guibéroua, qui vivent dans son village à Guibéroua, les Djoula l'ont fait donc une visite surprise, d'après lui, pour aller le voir. Nous avons dit clairement que ce n'est pas une visite surprise, c'est juste une association qu'il entend de créer. Une petite association des Djoula favorables à lui. Sinon, nous savons que les Djoula sont favorables à 2 individus en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, Soro Guibafori Guillaume. Et ce sont ces Djoula-là qui ont pris les armes que vous avez vues. Lui qui parlait là,
Et c'est, je pense que c'est Chérif Ousmane, mais Kone Zakaria entre les deux. Je ne maîtrise pas trop le truc, mais il sait qu'on dit que c'est Chérif Ousmane qui est là. Kone Zakaria. Non, Chérif Ousmane. C'est ça, non? Dites-moi. Lui qui a parlé là. Mais aujourd'hui, il est préfet militaire sous Dramane Ouattara. Tous les chefs de guerre sont avec Dramane Ouattara. Tous les djouls sont avec Dramane Ouattara. Les autres qui ne sont pas avec lui se sont retranchés derrière M. Soro Gbagbafori Guillaume. Vous avez vu quelqu'un dans la guerre qui a pris les armes, qui se retrouve au PPACI? Non. Qui se retrouve au PDCI? Non. Qui se retrouve au COGEP? Non. Tous ceux qui ont pris les armes. Dans le film que je vais mettre en ligne d'ici à demain, vous allez voir le film sur les Côte d'Ivoiriens. Vous allez voir Patrick Hachi qui était à l'hôtel du Golfe. Marcel Tano, qui était à l'hôtel du Golfe. Soro Guillaume lui-même, on lui demande, lorsqu'ils ont pris Babo Laurent et qu'il est quitté de la chambre de Babo Laurent, l'autre côté, là, après on le montre, on lui demande, mais qu'est-ce que vous dites de tout ce qui se passe? Il dit, moi je ne parle pas trop, hein. Surtout quand je porte mon petit chapeau. Quand je porte mon petit chapeau, je ne parle pas trop. Et puis il rit. Et puis derrière lui se trouve Ahmed Bakayoko, derrière lui se trouve Issiaka Ouattara, et puis derrière lui se trouvait aussi, j'ai vu même ce monsieur-là, lui qui a dit, en 2020, Ibn Atta, et puis qui est mort là, Amadou Gon. Amadou Gon était content, il criait de joie. J'ai vu, je n'ai même pas vu la vidéo où Patrick Hachi était content. On voit Patrick Hachi, il est en train de faire à tout aux femmes. Il est en train de faire à tout, il est content. Parce qu'il y a un poste ministériel qui l'attend. Et aujourd'hui, oui, il est premier ministre de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Patrick Hachi est l'une des deuxièmes ou troisième personnalités, puisqu'il y a Big Togo qui est là, hein, qui est deuxième personnalité, je crois. Et puis il y a aussi Tene Birahima. Donc Patrick Hachi est entre la quatrième et la troisième personnalité en Côte d'Ivoire. Monsieur Amadou Gon, je l'ai vu crier comme ça. Mais aujourd'hui, il est mort. Nous sommes tous mortels. Donc ceux que tu as nommés et pour pouvoir faire une politique, il faut laisser cette politique, tu ne les connais pas. J'ai montré à la table de cette vidéo un monsieur qui s'appelle Aruna. Mais qui a dit beaucoup de choses que je n'ai pas pu montrer. La vidéo fait 9 minutes. Mais on ne peut pas écouter Aruna pendant 9 minutes. Parce que Aruna, un, il ne sait pas parler français. De deux, il ne sait même pas, quand on dit politique, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne peut même pas expliquer l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas où fait Boigny est né, en quelle année. Le PDCI RDA là, est rentré, a pris le pouvoir comment? Comment est-ce qu'Oufou Boigny est venu? Il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais il insulte Blaise Goudé à cause de la CEU. C'est comme ça qu'il appelle ça. Il dit la CEU, si la CEU était mauvaise, elle n'allait pas permettre à ce que monsieur Michel Gbagbo devienne député. Voilà, Blaise Goudé, voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Il était mieux de continuer le combat aux côtés des jeunes patriotes. Il était mieux de rester là où tu étais. Ta femme te l'a dit. Pourquoi depuis là tu ne m'envoies pas convocation? Tu m'envoies convocation si je mens. Ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines que je dis les mêmes choses. Est-ce que ta femme ne s'est pas opposée à ta rentrée en Côte d'Ivoire? Elle s'est opposée, on m'a dit. Tu n'as pas écouté ta femme. Tu es parti même l'embrasser à la place CPA. Elle aussi, elle a ta femme, la pauvre. Elle a fait comment? Elle t'a donné un embrassement là. Tu l'as embrassé devant les gens. Tu fais comme Makoso. Quand on fait les choses comme ça, là, les femmes ne la duent pas généralement. Parce que c'est pas de, ça ne vient pas de que. Dramane Ouattara ne prend pas sa femme en bain pour faire Yahiri. Lui, là, il met ses gens en prison. Sa femme, elle a le pouvoir. Elle a gère l'argent. Il n'est pas là pour faire embrassement, les trucs comme ça. Là. Voilà. Donc même du côté des vieux, tout cela, il faut copier un peu. Mais tu as embrassé ta femme devant le public comme tu as dit aux gens que c'est toi, c'est ta femme. Nous tous, on a la femme. Mais moi-même, il y a des filles qui sont amoureuses de moi. Donc il faut laisser ça à Blaise Goudé. Moi, je te donne le conseil. Il ne faut même pas te tromper que les djoulas de Côte d'Ivoire aiment ton affaire. Il ne faut même pas te tromper. Ce sont des gens qui sont soumis à leurs autorités. Puisqu'ils ont des groupes WhatsApp. Ils ont beaucoup de groupes WhatsApp. Le RDA que vous voyez là, le RHDP là. Ils ont beaucoup de groupes WhatsApp. Et dans chaque quartier, il y a un chef du RHDP qui donne la nouvelle et ça va de bouche à oreille et les gens sont au carreau. C'est comme ça là-bas. Donc quand tu es rentré, ils ont dit que lui, là, ne le touchait pas. Et puis ils ont dit à tous les cyberactivistes, ne faites pas de vidéos sur lui. Il a attaqué la CEI là. Vous avez vu que les gens ont fait des vidéos. J'ai vu la vidéo de M. Aruna. Et j'ai vu encore, comment il s'appelle, Ladi Chérif, qui a donné un droit de réponse à chose. J'ai vu M. Comment il s'appelle là, M. Johnny Pacheco, Koukounio Chris, qui a fait plus de 2 vidéos en train de donner un droit de réponse parce qu'il a critiqué. Donc quand on est avec Alassane Ouattara, on ne peut plus critiquer. Voilà le problème, sinon Gbagbo critique toujours.
Pourquoi toi, quand ton temps tu critiques, les gens font les gens font des vidéos pour dire que c'est pas ce que tu nous as dit. Il y a même lui, Haruna, qui a dit que non, on nous a dit que de nous taire parce qu'il est venu pour nous réconcilier. Il n'est pas venu pour faire politique d'attaque. Mais quelqu'un qui a son cogep, qui n'est pas au RDR, pourquoi vous ne voulez pas qu'il vous attaque, vous qui êtes au pouvoir? Bon, j'insiste encore pour dire à Blé Goudé, il faut faire attention. Allez-y, dire à Blé Goudé de faire attention. Ton affaire de Djoula, Djoula, Burkinabé, Burkinabé, fais attention. Parce que c'est comme ça, un bon matin, ils vont te fioler. Oh. Faut pas vous allez venir dire qu'on n'a pas parlé. Il faut faire attention, tu es trop collé, collé là-bas, là, faut faire attention. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire à ces 507 personnes que je vois. C'est ce que je voulais vous dire. Allez-y, dire à Blé Goudé de faire attention. De faire attention. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Si ce n'est pas le cas, bon. Voilà. Le sang des innocents ivoiriens crie à Dieu. Voilà. J'ai montré des vidéos. J'ai montré une vidéo tout à l'heure où les gens ont été frappés, les gens ont été tués en masse. Des milliers de personnes sont décédées. Et tu as trahi le combat, tu as trahi les jeunes patriotes. Donc, il y a deux choses qui peuvent te sauver la peau. Soit tu te désengages totalement de Dramane Ouattara, tu deviens un vrai opposant, ou soit tu rentres totalement au RDR. Tu peux rentrer avec ton parti politique si tu veux. Ou bien tu peux déclarer ton soutien. C'est-à-dire tu restes au COGEP et tu déclares ouvertement ton soutien au RDR. Mais si tu fais une politique, c'est la même chose que l'autre la faisait, Issiaka Ouattara, qu'on appelait Ouattara là. Il était au RDR, mais il avait l'amour de M. Soro Guillaume. Oui, oui. C'est comme ça qu'il faisait. Et c'est pourquoi les gens l'ont violé. Parce qu'il est au RDR. Mais il a l'amour de Soro Guillaume. Or, Soro Guillaume n'était plus avec le RDR. Soro Guillaume était en palabre avec le RDR. Donc, avec eux, soit tu es avec eux totalement, ou soit tu n'es pas avec eux totalement. Et puis, vous faites la politique. Et ils vont te menacer un peu, ils vont te fatiguer, ils vont brûler tes cars, mais vous faites la politique quand même, comme Gbagbo Laurent. Mais quand tu es avec eux un peu, comme Ahmed Bakayoko, et puis en même temps, tu as des projets de devenir président, et puis tu te fais aimer par les artistes, tu te fais aimer par les autres Côte d'Ivoiriens, mais tu es quand même avec eux, on te fiole. Il faut être avec eux totalement, comme Patrick Hachi, qui est Ivoirien, mais qui est avec eux depuis longtemps. Patrick Hachi, ce n'est pas tout de suite, il est avec lui. Hein. Il y a longtemps que lui et puis son Dramane Ouattara, ils sont ensemble. Même en pleine guerre, malgré qu'il est Atié, et qu'il sait que les gens... Mais Blé Goudé a cité Atié parmi les ethnies que le RDA a tué. Je pense qu'il a cité les Atiers. On va revenir dessus, s'il vous plaît. Alors, pendant combien de temps vous allez continuer ça? Mais où il n'y a pas de prison? Parce que vous avez ouvert les prisons. Vous avez ouvert les prisons parce que vous avez besoin des bandits qui ont été emprisonnés, Kwame Gbagbo Laurent, pour l'enlever au pouvoir. Maintenant, tous ces bandits, vous les avez armés et ils sont partout dans la ville. Pourquoi êtes-vous surpris que les gens sont agressés partout? Les Ivoiriens qui n'ont rien à voir avec la politique ont vu leur domicile pillé, leur bien arraché. Même, c'est bon, parce que la vidéo est déjà très longue et je n'ai pas envie de continuer. Chers parents, merci d'avoir été très, très, très nombreux aujourd'hui. Merci d'avoir été très nombreux aujourd'hui. Et merci pour les pouces bleus. Voilà, merci pour donc vos soutiens. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Le combat, il va continuer. Le combat, il continuera. Et je pense qu'on doit dénoncer ce genre de politicien-là, comme Blé Goudé, qui veut ramener encore l'ethnie en politique. C'est comme ça, ça me fait très mal. Hein. Peut-être que pour l'instant, les gens ne me comprennent pas, mais ça me fait très mal. Parce que ce n'est pas bien, cette manière de faire. Ce n'est pas bien. Cette manière de mélanger l'ethnie avec la politique, là, ce n'est pas bien. Parce qu'une ethnie nous a montré Niamia ici, on nous a tués. Et ce sont les Djoula, quand on dit Djoula là, c'est les gens du Nord, les nordistes. La plupart sont dominés par les musulmans du Nord. C'est eux qui ont pris les armes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'histoire qui est têtue. Connais Zakaria, c'est Djoula. Il était commandant de zone, en pleine rébellion. Commandant Lossemi, Shérif Ousmane.
Soro qui bafori Guillaume. Ahmed Bakayoko. Commandant Ouattara. Commandant Loss. Non, vraiment, que Dieu aide la Côte d'Ivoire, franchement. Merci beaucoup, merci les gars. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser, merci beaucoup. Nous sommes à plus d'une heure cinquante, je crois. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. On se donne demain ou un autre jour pour la suite des débats. Je vous remercie.